Oh, t'as décidé d'aller sur le terrain? On pourra alterner entre chaque mission de façon. Alors le truc c'est que je préfère qu'on commence comme ça parce que tu sais genre dans notre duo, si moi je commence à t'expliquer des trucs, tu sais très bien que ça se finit toujours mal. Ok. Ok. Vas-y. Donc t'as aucune confiance en moi. Ok. C'est cool. Allez, on si, commence. Justement, ouais, je te dis juste que t'expliques mieux. T'inquiète. T'expliques mieux les choses que moi. On se fait briefer là. On se fait briefer par Willem Danberg. Lis. Écoute. Cette fois. Ah, j'écoute là. Tu écoutes rien, moi. Du génome d'un virus mortel. Cette arme biologique ne doit pas tomber entre de mauvaises mains. T'entends quelque chose là? Ouais, il y a la voix off. T'entends pas? Non, moi j'entends rien. Profiter de son absence pour récupérer le génome du virus dans la chambre forte de son penthouse. Bon, c'est peut-être normal parce que je suis deuxième joueur. On doit récupérer le génome du virus dans la chambre forte de son penthouse. Ok. Ok. Pour jouer à ce jeu, vous devez pas voir l'écran de votre partenaire. C'est basé sur la communication verbale. Tout ce dans quoi on excelle. Ah oui, c'est un des pros, les gars. Attention. Je suis le hacker, tu es l'agent. Je dois faire quoi? Je sais pas. Aidez votre frère à se rendre au penthouse et à pénétrer dans la chambre forte. Quelle musique j'écoute, frérot? J'écoute quoi? Je sais pas, mais ce que tu veux. Mais la musique qui te fait kiffer. Électro douce ou rock? Mets de l'électro douce. Non, mais ça fait partie d'une énigme, j'en suis sûr. Mais non, c'est juste toi, l'ambiance dans laquelle tu te mets pour jouer. On est en Steam Squad, là? Ouais, j'ai activé. Ok. Ok, alors je force l'accès au nœud réseau. C'est bon, j'ai forcé l'accès. J'ai accès aux caméras de surveillance là actuellement. Moi je suis dans un ascenseur, je suis Keblo frérot, genre, donc bon courage. Ok, je te vois. Attends, c'est bon, je te vois dans le truc. Je démarre l'ascenseur, bouge pas. Merci. Déjà je te mets un petit MET, c'est pour moi, ça me fait plaisir, c'est pour que tu sois bien, voilà. Oh merci. Voilà. Regarde, j'ai créé un château de sable. Waouh. Mais tu domptes ce sable, tu es incroyable. T'as vu? Regarde. Oui, c'est vrai. Ce mec, je suis tellement easter egg gamer. Pour que tu reprennes un peu ta concentration, je te mets un thème Halloween. Oh merde. Tout va bien se passer. Arrivée prévue dans 20 secondes, Locklear. J'espère que tout va bien dans l'ascenseur pour toi. Très bien. Alors, je vais juste arrêter l'ascenseur. J'aimerais qu'on discute un peu, toi et moi. Non, c'est bon. Donc, vas-y, avance. Tout à l'heure, tu m'as parlé d'une rivière. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Nous sommes désolés, mais l'ascenseur a rencontré un important problème. Détendez-vous et profitez de la Qu'est-ce que tu voulais dire, Locklear, quand frérot, tu me parlais de frérot. Rivière? Locklear, dis-moi. Rien, tu sais, genre... ce serait sympa qu'on aille pêcher, toi et moi, ensemble, un jour, tu sais. Dans la rivière? Ouais, dans une rivière, ouais. T'as déjà pêché? J'ai déjà pêché, mais je vois pas trop. C'était pas ça ta phrase, c'était... Tu as une rivière sur la tête. Non. Ah, c'est la rivière La Tête, c'est une rivière pas loin de chez toi? J'ai dit, t'as pas une rivière, j'ai dit que t'avais deux rivières. On a déjà échoué, frérot, on a même pas commencé le jeu, on a déjà échoué. C'est moi, j'ai appelé la sécu. Allez, rentre dans l'ascenseur, c'est bon, j'arrête de troll, let's go. Vas-y, je suis là. Merci Camilon pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Ok, je te mets le thème, je te mets aucun thème, comme ça t'es concentré. Arrivé prévu dans 39 secondes. Ok, je te mets le thème de Noël. Ouais. J'ai des cadeaux. T'as tout ce qu'il faut, frérot, régale-toi. Le jeu est incroyable, je vous le dis direct, le jeu est incroyable. C'est comment t'as vu, toi? Moi, je te vois dans l'ascenseur et je peux choisir d'arrêter l'ascenseur, d'appeler la sécurité, je fais ce que je veux, quoi. Tu peux appeler la sécurité? Ouais, c'est moi qui ai appelé la sécu avant, c'est moi qui nous ai fait perdre. Avant? Ouais. Bah c'est pas sympa, ça. Bah c'est pour te remettre dans le droit chemin. Allez, arrivé dans 6 secondes, Locklear, 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. Vous êtes arrivé. Visiteur en attente d'accès, affichez un message personnalisé au visiteur. Bienvenue. Il y a écrit bienvenue sur mon écran. Là, il y a écrit quoi? But. Ok. Là, il y a écrit quoi? Il y a écrit calvitie. Bien joué, c'était le mot de passe pour que la porte s'ouvre, bien joué. Très bien. Ok, je te vois, je suis sur une autre caméra, piratage de caméra, attends. Je te vois, t'es en train de longer un bureau. Donc là, t'es aux abords du penthouse, c'est ça hein? C'est ça. Là, je suis dans le bureau du directeur. Ok, je te vois. Est-ce qu'il y a des... Alors moi, là, j'ai juste accès à des caméras. Est-ce que toi, il y a des systèmes avec lesquels tu peux interagir?
Il me faut un mot de passe, panneau de contrôle de la porte. Il me faut un mot de passe. Ok. Décryptage du mot de passe. Demander de l'aide à son partenaire. Connecté. Je te connecte. Je t'ai connecté à la porte. Ok, j'accepte. Je suis en train de. Je suis en train de pirater. Vas-y, pirate. Je suis en train de pirater. Attends, moi aussi je pirate là. Ok, je suis en train de pirater. Mais tu pirates que date, c'est moi qui ai piraté là. Je suis en train de pirater. Ok, j'en suis à la moitié du piratage. J'en suis à la moitié du piratage. Quoi? Oh. Waouh. On est mort, on est mort, on est mort. Quoi, on est mort? Mais attends. Je comprends pas comment ça marche. T'as une boule verte toi aussi ou pas? Ouais, toi aussi? Ouais, j'ai une boule verte là. Mais attends. T'as le contre-courant, t'es bloqué au contre-courant? Ouais, toi aussi? Ouais. Il faut que tu passes derrière les trucs pour prendre de la vitesse. Tu es bête. Ça pousse trop fort, Squeezie, j'y arrive pas. Attends, je vais arriver, attends. Je suis à deux doigts d'y arriver. Peut-être qu'il faut que tu y arrives, pour que j'y arrive. J'ai réussi. C'est bon, j'ai réussi. Mais attends, c'est moi qui contrôle, tu le fais pas. Mais non, toi tu fais rien, espèce de menteur. Mais si, moi je fais droite et gauche, c'est toi qui fais avant et arrière en fait. Ah ouais? Mais oui, fais arrière là. Tu vois pas qu'on va trop vite? Mais t'es bête ou quoi? Et voilà. Mais c'est pour ça que je galère à jouer, c'est que j'ai un trou de balle qui contrôle mon truc. Mais arrête, va en arrière, que corde. Voilà, ralenti. Voilà. Ah, c'est pour ça que je galérais. C'est parce que j'ai un trou de balle qui venait. Ok, les gars, Locklear, le nœud réseau débloqué. La chambre forte est débloquée, elle vient de s'ouvrir. Très bien, l'agence 107. Rentrez, je vois l'agence 107 avancer dans la chambre forte. Bien joué, agence 107. Je vois des fleurs, je vois des... Très bien, j'entre dans le réseau de la chambre forte. Je rentre dans le système de sécurité de la chambre forte. Tirez les deux déclencheurs cachés sur le sol pour déployer les stations de sécurité. T'es dans la chambre forte là? Répète. Tirez les deux déclencheurs. Voilà, devant toi. Tire les deux déclencheurs pour déployer les stations de sécurité. Je cherche, mais je vois alors, pas. Alors, ah, c'est moi qui dois te montrer où ils sont. Donc, tu vois la plateforme au milieu, va dessus, je vais te dire où tu dois aller. Ok, okay. Stop. Je suis au milieu de la plateforme. Ok. Alors, t'es face à la grille? Ouais. Recule pendant 0,4 secondes. Ok, stop. Gauche. Stop. Reva vers la grille. GG. Ok, ensuite. Tout droit, là, juste derrière, là, voilà, tout droit, t'es dessus, let's go. C'est bon. Ok, là, je crois que je vais devoir t'aider. Okay, activation du système de détection laser. Quoi? Arrête de bouger. Entrez manuellement les valeurs pour désactiver les 4 postes de sécurité. Attends. Mec, les valeurs? En gros, là, moi, j'ai des lasers qui bougent. Comment j'entre manuellement les valeurs pour les désactiver? C'est à moi de le faire. 7. Mais non. 8, 9, 10. Ok, j'ai 10 secondes. Je t'explique. Là, je vais lancer le terminal, frérot. Et on va avoir 10 secondes pour agir. Ok. Attends, je t'explique ce que j'ai sur mon écran ou pas? Vas-y, parce que là, moi, je peux rien faire. J'ai entré manuellement les valeurs pour désactiver les 4 postes de sécurité. J'ai des espèces de boussoles. J'ai 4 boussoles, chacune reliée à un terminal. Et je peux la bouger pour que ça montre des chiffres différents. D'accord, alors je t'explique. Moi, j'ai 4 terminales avec un au centre, d'accord? J'ai 2 terminales à gauche, 2 terminales à droite. Je vois, j'ai une caméra, je vois. Ok, donc je peux entrer manuellement sur celui de côté. Le milieu, il est bloqué. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais sur les côtés? Laisse-moi explorer mes autres options. Attends, fais un. Laisse-moi explorer mes autres options. Accès au serveur, j'ai peux lancé pas. Un truc là. EU bleu 180. Bleu 180! C'est fait, c'est bon. Bleu 180. Ouais, c'est bon, bleu 180. Mais okay. C'est que des bleus que j'ai, c'est que des bleus. Bleu. Ah nul. Ok, on recommence. T'es nul. Attends, je suis là. Ok, vas-y. Bleu 70. Ok, je suis dessus. C'est bon. Celui-là, bleu, il est activé. Bleu 2,2 bleu. Allez. C'est bon. Bleu 2500, jaune 3800. Manne-toi. Ta gueule. Bleu 185, jaune 206, violet 197. Bleu 185. Jaune 206, violet 197.
Sois pas bête, hein, je peux plus y accéder. Je suis bête, c'est ma faute, je suis bête. T'as été bête? Ouais. Okay. Attends, il nous manque les deux au fond à gauche. En fait, c'est bizarre, c'est la graduation, elle est irrégulière. Ok. Je te remets. Ouais, redis-moi. Bleu 3500, jaune 2400. Ok, l'autre. Bravo. Bleu 210, jaune 194, violet 186. 186, violet. Ok, c'est réglé, bien tout est réglé, joué, GG, bien joué, bien joué, bien joué, agent 107, bravo, 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 bravo. L'agent 107 progresse, nom du réseau, Vandenberg F12, appareil connecté 22, code d'accès au serveur 8931. Très bien, c'est ce dont j'ai besoin, 8931, et voilà, j'ai forcé réseau, l'accès, 14%. Je suis en train de pirater, c'est bon. Je suis rentré dans le serveur Locklear, je peux me déplacer. J'ai été triste là. Contourner la sécurité. Regarde, tu vois, je t'ai rajouté des carreaux là. Ouais, c'est bon. Vas-y, continue. Vas-y, avance. À droite, de l'autre côté, il y a un mur devant moi. Donc faut que tu les fasses aller à droite maintenant par rapport non, à celui de l'autre. Passe le mur. Je peux pas, il y a un mur devant moi, trou de balle. Passe le mur. Je peux pas. Donc tu vas à droite, il y a une plate. Voilà, continue. Voilà. Là, t'es un maxi BG. Ok, continue. Là, de l'autre côté, à l'opposé, la première ligne collée au mur. Non ! Première ligne collée au mur, s'il te plaît. Première ligne collée au mur. Parce que sinon, il y a des données qui vont me tuer. Oh, excellent, mec. T'es passé dans... Incroyable. Ok, continue de l'autre côté. Voilà, nickel. Mec, t'es monstrueux. T'as vu ça ou quoi ? Mais frérot, t'es monstrueux. Ok. Attention, non, n'y va pas ! Mais j'y vais pas. Attends. Attends. Refais, vite. Mec, là, il faut que tu me guides. Continue, vite. Je vais mourir. Je suis mort. Tu es bête. Mais c'est toi qui veux dire. Tu es bête ou quoi? Mais tu vois ou pas? Je sais pas ce que tu vois, je comprends pas. Non, je vois pas. En fait, ce qui est rouge, je vois pas. Bah là, il y a une truc rouge. Non, c'est bon, c'est le checkpoint, frérot. Reviens là où il y avait les deux trucs. Voilà. Non, mais. Ok, vas-y, rentre. Mais t'es mort tout seul. Il y a eu un bug, ça a bugué. Ok, vas-y. Non! Bah, parfait, ce que tu fais, parfait! Continue! Roule. Voilà! Continue, voilà! Roule, voilà. Mais t'es tellement chaud! Ah, t'es un monstre! Bientôt déterminer quel coffre. Oh merde. Ouvrez le coffre qui contient le génome virus. Attends, je suis en train de voir. Stockage des brevets. Ouvre un. Ok, j'ai devant moi, j'ai actuellement 15 cubes. Lequel j'ouvre? J'ai 5 rangées de 3 cubes. Attends. Il y a deux trucs qui sont apparus. Ah, c'est bon, c'est en train d'apparaître. C'est moi qui l'ai fait apparaître là. Cible identifiée. C'est bon, génome du virus, je suis en train de me connecter. Entrez la clé visuelle pour débloquer le coffre. Tu sais, c'est comme un. Alors, c'est un carré avec ABCD. Ouais, je peux mettre des croix. Ok, attends, c'est un peu brouillé, mais je te dirais 2B. 2B, les deux croix. Attends, ou juste une trait d'une croix. Ouais, c'est bon. C'est quoi? Tu peux mettre des traits? Ouais, je peux mettre des traits, genre juste un côté d'une croix au lieu d'une croix entière. Attends. Ah, vas-y. C'est bon. Alors, c'est le trait en haut sur 2B. C'est le trait du. Bah, non, c'est. Trait le... du haut. C'est un trait qui fait haut gauche vers bas droite ou haut droite vers bas gauche. Mais le trait en haut de 2B. Ah, ok, j'avais pas vu que je pouvais faire ça. Ok, ça va. Maintenant, tu mets le trait dans la diagonale 3B. Quelle diagonale? Peu importe, je te dirai si c'est bon ou pas. Là, vas-y, parfait. C'est bon, gars. Maintenant, 2C, barre à gauche, barre à droite. Et barre diagonale au milieu. Gauche. Je t'ai pas dit une croix. Ah, pardon. Ok, voilà. Et une diagonale comme ça? L'autre. Supprime okay. L'autre. C'est fait. Ok, c'est nickel. C'est bon. Let's go. Connect. On est des maîtres. Et let's go. On est les maîtres. Mais les gars, quelle complicité. On est merveilleux, mec, en vrai. On est les maîtres. On est trop fort, mec. Genre, tu viens me chercher un hélico. Genre, tu restes pas caché derrière ton ordinateur. Bien sûr, je reste caché derrière mon ordinateur. Tu te démerdes. Maintenant que j'ai le génome, tu te débrouilles, frérot. Tu commandes un Uber. Ok, nouvelle mission. On inverse. À chaque mission, on inverse. Là, c'est moi qui vais sur le terrain. Vas-y. Allez, let's go. Du coup, j'ai choisi l'agent de terrain. Ah non, je suis le hacker, mec. Attends, sélection du personnage. Vas-y, je prends l'agent, on prend le hacker. Allez. Reste dessus. Ok. Vas-y.
Ok, mission 2, débuter. En attente de votre partenaire, faut que tu cliques sur débuter. Mec, et... le jeu... Attention, on se fait briefer. T'as l'audio ou pas? Bonjour. Ça y est, je l'ai là. Un mystérieux tueur à gages virtuel cause des ravages sur le réseau mondial. Pas sympa, selon le mec. Nous, il utilise une micropuce intégrée aux lunettes intelligentes pour effacer l'identité virtuelle de ses victimes, bloquant ainsi l'accès à leur vie. Comme ces micropuces sont très sécurisées, il doit s'agir d'une affaire interne. Notre premier suspect est Nimbus Web Optics, le fabricant des lunettes intelligentes les plus populaires au monde. Ce soir, lorsque le bâtiment sera vide, vous infiltrerez Nimbus et son réseau. Votre mission est d'accéder au serveur central et d'en extraire les documents techniques de la micropuce. Ok, bon c'est noté. Courage. Ok. T'as entendu? Ouais, j'ai tout entendu. Ouais, je dois aller prendre la micropuce. Va chercher la micropuce. J'y vais ma puce. Je suis infiltré. Sois pas bête. Je suis infiltré, bébé. Attends, je suis à l'intérieur de l'ordinateur là. Il faut que tu me trouves, il faut que tu m'ouvres la porte pour que je puisse avancer, parce que mon identifiant virtuel n'est pas autorisé. Attends, mais je suis un ordinateur? Oui, tu es un hacker, tu hack. Je force l'accès, bouge pas. Ok, j'ai plein de cubes devant moi. J'ai l'étage 2, étage 1, sous-sol, étage 3, ascenseur. Moi, je suis... Je sais pas, t'as pas des caméras? T'as pas accès à des caméras de surveillance pour voir où je suis? Attends, je regarde. Qu'il est nul, ce hacker. Il est 5h du mat. Je suis dans le sous-sol. Y'a rien. Tu dois m'ouvrir une porte, frérot. Y'a une porte, elle s'ouvre pas tant que tu hackes pas. À quoi ta porte? Je sais pas, appuie sur les touches de ton clavier, fais un truc. Elle est, mais c'est une porte, tu vois, comme l'entrée des magasins qui s'ouvre de manière horizontale, c'est qui fait. D'accord. T'as rien là pour m'aider parce que, mec, j'ai des millions de trucs, frérot. Non, j'ai rien, mec. J'ai rien, je pense que je dois juste attendre un move de ta part là. Si bête. Bon, écoute, bête. Au pire, il y a une espèce de. Ok, bouge plus. Il y a un Android, je prends rendez-vous au pire, ok? Attends, je t'ouvre ici. C'est toi là? Saute! Attends, là, je peux pas sauter. Ouais, ok, je te vois. Ok, tu peux m'ouvrir la porte qui est là devant moi là? J'ai besoin de toi. Là, celle-ci là. Ouvrir. Ah mec, je peux ouvrir la caméra, mais je peux pas ouvrir la porte. t'as l'air bête, là. Qu'est-ce que tu fais? Bah, j'attends que tu m'ouvres la porte, mec, je peux rien faire. Attends, je t'ai trouvé, maintenant. Mais frérot, tu es un hacker, tu pirates, hop, et je peux rentrer. Panneau d'affichage, rendez-vous. Non, mais frérot, là, tu m'as mis dans un pétrin, mec. Je suis en train de gérer des ordinateurs, je peux voir des textos, là. Mais, je sais pas... En fait, je te vois, est-ce qu'à la caméra, je peux t'ouvrir? Je sais pas, pirate! Mais non, c'est à toi de faire quelque chose, là! Mais pirate! Je peux rien non, faire! Je peux rien faire! T'as pas des noms des employés, des trucs, là, t'as rien devant toi? J'ai rien, je peux rien faire, mais y'a rien, y'a des plantes, y'a rien, mec. Attends, je peux peut-être transférer un employé. Vas-y. En fait, la porte, elle me dit qu'ils arrivent pas à... Ça me... Ah, voilà, là. Merci. Voilà, là. Merci. Ok, profil actuel, mon ok, tu m'as mis un profil. J'accepte. C'est ça. Ok. Mec, j'ai pas lu les textos et tout, hein. C'est ça le problème. C'est bon, j'ai pu rentrer. Du coup, je t'ai mis un mec random, là. C'est pas grave, dirigez-vous maintenant vers la salle du serveur central. Merci, mon frérot. Votre accès au centre technologique se fait uniquement sur rendez-vous. Est-ce que tu peux mettre une autre identité pour que je puisse rentrer? Ok, alors attends. Ah non, quoi qu'elle, elle bosse voilà. Au centre d'appel. Donc attends, je peux aller au centre d'appel normalement. T'as la base de données, rendez-vous, ID du poste de travail, frérot. Good morning, Deshante. Il me faut l'ID du poste de travail. L'ID du poste de travail? Ouais. Attends. T'as la date et l'heure? T'as la date attends, et l'heure je suis en train d'aller à mon poste de travail. Je suis en train d'aller à mon poste de travail. Ok, je suis au poste de travail, je suis sur un ordi, frérot, je vais te donner l'info, ok? Vas-y, donne-moi l'ID du poste de travail. Alors, l'ID du poste de travail, voir les... C'est quoi l'ID? Qu'est-ce que t'appelles l'ID? Ça a l'air d'être 3... Ah, je l'ai, 034-739. Ok, j'ai un filtre. C'est-à-dire? Ok, je suis à l'intérieur. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Deshante Palmer. Ok. Deshante. T'es qui? Tu fais quoi? Je suis agent du centre d'appel. Comptabilité, ingénierie, ressources humaines, service d'entretien, juridique, marketing, achat, centre technologique. Agent du centre d'appel, je suis.
Alors maintenant, ça va juridique. Et rendez-vous. Là, il est quelle heure là? Là, il est 5h08. 5h08. Et tu pouvais pas ouvrir la porte parce que t'avais pas de rendez-vous, ouais, c'est ça? Ouais, exactement, exactement. Et il est 5h08 là? Ouais, 5h08. Vas-y. Essaye là. Ok, je suis en train d'aller, je suis en train d'aller voir. Ah non, c'est un rendez-vous pour le centre technologique qu'il me faut, pas pour le centre juridique. Oh putain. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez, fais mon agenda s'il te plaît. Allez, allez. Ça y est. Ça y est, ça y est. Donc 5h du mat, centre technologique. J'ai failli cliquer ça. Ok, vas-y. C'est bon, ça c'est ouvert. Bien joué, mon frérot, bien joué. Là, je dois chercher la salle du serveur central. Donc, logiquement, c'est dans stockage électronique, je pense. Ah non, serveur de l'unité centrale, je dois aller au troisième étage. Ok, je suis dans l'ascenseur, tu peux me faire aller au troisième étage? Tu me l'as ou quoi? J'ai un accès refusé là actuellement. J'ai un numéro de série de l'ascenseur, ça peut t'aider? Ok, bouge pas, bouge pas. Ascenseur, vas-y, numéro de série. Ok, je te donne le numéro de série. JDUASUYD. Non, 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 seulement les chiffres. 7758462. Quel étage tu vas aller? Le jeu est excellent. Troisième étage, s'il te plaît. C'est envoyé. Le jeu est excellent. Je trouve ça génial. Ok, c'est je suis bon, au 3. Ouais, je suis au 3. Okay. Je suis alors, c'est quoi la salle des serveurs? Attends, est-ce que c'est au labo R&D? Ouais, je pense. Attends. Là, j'ai accès à un truc. T'as l'air je peux pirater. Bête, attends, hein. Je suis en train de pirater un truc. Toi, t'es bête. Vas-y. Nom du réseau, Nimbus E3 Sécurité. Appareil connecté 22. Encombrement du réseau 14%. Code d'accès 1446. 1446. Nimbus E3 Sécurité. Code d'accès 1446. 1446, c'est envoyé. Jusqu'ici, tout va bien. Mais attention, je remarque une surveillance accrue. J'ai pas accès à la zone R&D. Il me faut une adresse IP du réseau central et R&D drone de sécurité. Frérot, il y a des drones de sécurité là qui se baladent au rez-de-chaussée. Je suis dans la merde. Alors, je te vois pas, mais je vais t'ouvrir la porte, je crois. Ok. Je t'ai ouvert là? Non. Ouais, GG, j'y suis. Réouvre, c'est bon, j'y suis. Ok. Vas-y, il y a un drone, fais gaffe là. Je suis mort. Tu es bête. Mais tu alors, me le dis, il m'a déjà vu. Toi, tu es bête. Tu le vois pas? Mais non, vas-y, ouvre la porte. Ouvre la porte. Alors, je t'explique. Là, dans cette zone, t'as un drone qui fait de la porte. Mais t'es bête aussi, toi! Mais j'ai pas le temps, frérot! J'ai pas le temps! Ouvre-moi l'autre porte! Ah bon? Bah oui, vas-y, ouvre! Mais je peux pas t'ouvrir l'autre porte. Ah, c'est bon, c'est bon, j'ai fait le tour. Non, mais. Mais et voilà, y'a un drone dans cette. Et comment je l'aide, moi? Il est trop bête aussi, il fonce dans le tas! Mais aide-moi! Arrête de foncer dans le tas, il va te cacher! Cache-toi! Mais je peux pas neutraliser le drone, idiot, tu es bête! Bête! Voilà, là t'es caché! Je suis pas allé dans la salle. Le drone il fait une trajectoire simple en fait. Il fait juste des va-et-vient entre deux pièces. Là, go maintenant. Go maintenant, tout droit, va où tu veux. Ok, tout droit. Je sais pas où tu veux. Va partout. Tu l'as niqué le drone? Et voilà, il pirate pas les drones. Écoute. C'est bien que tu meurs, comme ça je vois ta pose. Tu vois là où t'es mort actuellement? Ouais. Il faut que t'ailles en haut. Parce que t'as une porte et t'as un drone qui passe là où il faut que t'ailles. Ok. Et là où t'es mort à gauche de la porte. De là où il faut que t'ailles. Il faut que t'ailles en haut. Une fois que t'es dans cette pièce, tu vas en haut. Et après, t'es dans une autre salle à manger avec deux tables. Et après, il faut que t'ailles à gauche. Une fois que t'as passé l'autre pièce, d'accord? Ok. Ah bah, nickel. Tu fais de mieux en mieux. Tu es bête. Allez, ouvre. La seule porte que je peux t'ouvrir, c'est celle-là, frérot. Non mais je sais. Mais là, le drone. Comme tu mets du temps à l'ouvrir, le cycle du drone, je suis mal tombé. Non, je le vois, le cycle. T'es prêt? Je suis prêt. Je vais te mettre sur les starting blocks, hein. Je suis prêt. Go. Mais qu'est-ce que t'as fait? Mais il y avait un drone, ça s'est ouvert, il y avait un drone, frérot. Ok, écoute-moi bien. Petit rat. Écoute-moi. Ça s'est ouvert, il y avait un drone, frérot. Quand tu vas, je vais te dire d'y aller, tu vas aller directement dans l'autre pièce. Ensuite, tu vas attendre, tu vas te cacher dans l'autre pièce. Maintenant, go! Va dans l'autre pièce! Je suis dans l'autre pièce, j'attends. Casse-toi! Mais t'es dans la Oh! Mais t'as essayé de passer la porte! Oui. Là, oui. T'es dans la trajectoire du drone! Ok. Vas-y, j'ai compris. Donc, je vais tout droit deux fois. Ok, vas-y. Attends. Il est trop bête pour ça. Bête. Je suis prêt. Quand tu veux. Le petit rat va grignoter son brilleur. Quand tu veux. Allez, vas-y, go. Ok, tout droit. Ok, je remets tout droit. Cache-toi!
Je peux pas me cacher, je peux pas. Je remets tout droit. J'essuie. Hors service, il y a marqué. Il y a marqué hors service, fais quelque chose. Mais il écoute pas. T'es dans la mauvaise pièce, Coquelande. Retourne dans l'autre pièce. Attends, peut-être qu'il faut que t'attendes dans cette pièce. Attends, attends, c'est pas bête. Attends dans cette pièce. T'es à la porte hors service là? Oui, oui. Ok, donc tu vas revenir en arrière. Et je vais attends, à la gauche. Attends, attends, le drone est là. Et ensuite tu vas à gauche. Et après tu refais une gauche. Ok, dis-moi. Dans pièce. Dis-moi quand. Go, 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 go. Je peux changer de pièce là, c'est bon, je peux aller dans l'autre. Ok, go, 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 go. C'est trop tard, mène-toi. Ah, j'étais si près. T'as capté, t'as capté. Ouais, j'ai capté, j'ai capté. La pause, tu dois la faire. Tu allez, dois ouvre, la faire, ouvre, la ouvre, gros bug. Go, 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 go. J'y vais, j'y vais, j'y vais. T'es mort, t'es mort, t'es mort. Putain, frérot, mon hacker, il est en train de mater un live Twitch aussi. Tu veux que je fasse quoi? Vas-y, vas-y, tente, 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 tente. Mais t'es sûrement mort. J'ai vraiment l'impression de contrôler un petit gras et que les chats sont grillés. Ok, attends, attends. Dès que je t'ouvre la porte, mec, tu vas tout droit dans la salle avec porte fermée. La salle où il y a le hors-service ou pas? Oui. Ok. Parce que tu dois faire la pause là-bas. Ok. Et dès que je te dis, tu vas tout droit, tu fais gauche. Ok, ok. Gauche. Allez, allez. Vas-y, go, go, go. Ok, allez, fonce, je vais. Fonce. Parle-moi. J'y suis. Devant la porte en service. Parle-moi. T'es prêt? Je suis prêt, tu me dis. Go, 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 go. Je me suis raté. Je préfère revenir, tu me dis. Tu me dis. Attends, t'es où là? T'es où? Je suis dans la porte en service. Porte en service. Je suis sur les starting blocks, prêt. T'as qu'un mot à dire. Attends. C'est pas celui-là que je veux entendre, l'autre mot. Oui mais attends, t'es allez, prêt? Allez, va pas trop vite mais go, va pas trop vite, go, 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 bats-toi. J'y suis, allez. Deuxième salle, je suis en train d'aller. J'y suis. Ok, la porte en haut frérot. Ok, serveur de l'unité centrale, j'y suis. Unité centrale, enfin, ok j'appuie sur E. Bien joué mon frère, bien joué, t'es un boss. Quel noob. Toi tu es réseau central, donne-moi l'adresse IP. En attente de votre partenaire. J'accepte. J'espère bien. J'ai alors, trois cases. J'ai... Ah non, c'est en train de. Ah, je te vois, je vois ta souris, ouais. Bah, mec, aide-moi, t'as une souris aussi, genre. Mais laisse ta souris sur un truc. Vas-y, bouge les cases. Vas-y, bouge le truc. Bouge les cases, la case. Ah, ok, vas-y. Il est bête celui-là, hein, c'est pas possible. Comment? Attends un peu, voilà. Mais faut mec, que tu ça time, même faut pas. Que tu time entre full les glitch. Deux. Voilà, t'as juste, c'est toi, t'avais juste à le mettre en pause, non, ça le chien. C'est glitché. Bête. C'est glitché. Aide-moi. Attends. Ah, j'ai compris. Le cube à droite, tu vois. Hey, je t'en supplie, frérot, je t'en supplie. Allez, c'est bon. Vas-y. Non, c'est bête. Attends. Qu'est-ce qu'on est idiot. Putain. Ok. Ah, c'est moi cette fois. Ah, tu vas voir. Go. Ok, attends un peu. Mais frérot, ouais, il est tellement simple ton rôle par rapport au mien. Ah, t'as le simple, frérot. Bah non, mais c'est parce que je suis giga fort, c'est tout. Il est tellement simple. Ok, bien joué. Adresse IP. Ok, j'ai mis. Oh putain, mec, qu'est-ce que j'ai ri. J'ai jamais vu deux cerveaux aussi peu synchro, c'est un truc de ouf. Je cherche le dossier de la micropuce. J'ai accès à la console de l'unité centrale, je l'active. Adresse IP 249 132 180 220. Tout de suite, messieurs. Connecté. Ok, j'ouvre une backdoor. La connexion à distance est établie.
Ouais. Ok, je connais. Oui. C'est bon? Attends, je suis en train de me connecter. Ok, analyser le pare-feu. Ok, je peux me connecter au pare-feu, je suis en train de me connecter. Désactiver. Ok, je vois des symboles, soleil... Votre réseau n'est pas protégé, il est recommandé de garder vos pare-feux actifs à tout moment. Ok, c'est bon. Alors, frérot, il y a résultat de l'analyse. T'as un soleil à gauche. Ok. Ok, et une mine sous-marine à droite. Est-ce que le soleil, il est vide ou il y a des arcs de cercle dedans? Le soleil, c'est un soleil avec des tirets. C'est pas des... C'est oui, des, mais dedans, il y a un rond. Y a un et rond dedans, il y a un rond, c'est une cible. Et le rond, il est aussi du côté de la mine? Écoute-moi bien. Attends, la mine, elle est pleine ou pas? La mine, elle est pleine ou pas? La mine, elle est pleine. C'est comme un boulet, genre de... Rien... C'est comme une arme dans Elden Ring. Elle est entière. Bon, c'est celui-là. GG. J'assume l'entière responsabilité. Nanana. Continuez. Ok, c'est fait. Bien joué. On s'en sort trop bien, mec. Je suis en train de me connecter. Connecte-toi. Oui, Leclerc, oui. Je suis en train de me connecter. Oui, vous êtes connecté, Leclerc? Je suis en train. Il est okay. Trop bien, le jeu. Je suis choqué, mec. Je suis connecté. T'es connecté? Je vois. Attends une seconde. Ok, mec, je suis dans Portal maintenant. Bon courage. Il faut que tu me dises quel portail je vais. Attends, mais je sais pas où c'est. Attends. Alors, je t'explique. J'ai 4 portails. Ouais. On dit quoi? Des portaux? Wow. Je peux rentrer dedans. Ok, et après... va encore un devant. Allez, un devant. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai chié, je pense. Alors, okay. J'avance là. Ouais. Et là, tu me dis un devant. Ah non, celui sur ta droite. Droite ou gauche? Sur ta droite. Ok. Droite. Ensuite. Mais non, t'es retour au point de départ là, ça marche pas. Attends. Pas ma droite. Attends. Là en gros, je t'explique. Le premier portail que je prends maintenant, il est devant moi, ok? Qu'on soit d'accord pour les prochains. Ok. Ok. Là, je rentre dedans. Donc là, tu vois, j'ai un mur bleu devant moi. Ok. Maintenant, j'ai un portail à droite et un portail à gauche. Mais prends celui à droite. C'est là où il y a la barbe, logiquement, celui à droite, mec. Tu le prends? Je vais aller à gauche. Ok. Ah, donc c'est inversé. Ok, prends celui devant toi. Donc derrière? Prends celui devant toi. Non, devant toi. N'inverse pas. Devant toi. C'est toi qui t'as déjà inversé, c'est bon? Ouais, j'ai déjà inversé, ouais. Ok. Ah, c'est pas ça. Attends. Et là, tu m'as dit, là, t'as pris le portail à gauche. Non, là, j'ai pris devant, là. Mais tout à l'heure j'ai pris à gauche. Non mais là t'es de retour en arrière, donc faut que tu reprennes à celui de gauche, s'il te plaît. Ah c'est ça, ok. Je reprends à gauche. Ok. Et là j'ai pris celui devant moi là. Et celui devant toi ça marche pas? Non. Vas-y je prends derrière. Non. Si c'est bon, t'as avancé. Mais je comprends pas la logique avec les barres bleues. J'ai pas avancé. Donc là je fais derrière. Ah attends, devant toi tu m'as dit qu'il y avait quoi? Attends, il y a quoi devant toi? Une barre bleue? Donc, bon, j'avance. Attends, systématiquement, il y a une barre bleue devant toi, c'est ça que t'as dit, Locke? Ouais. Ok, c'est bon, je sais te guider. Attends, prends celui sur ta gauche quand t'es face au mur bleu. Ok, j'ai bien avancé. Ouais, là, c'est bon, seul. C'est ça. Prends celui sur ta gauche quand t'es face au mur bleu. Non, mais on va revenir au début. Non, c'est bon, regarde, là j'appuie là, hop, c'est bon. Je suis connecté! Let's go! J'ai avancé tout seul, hein. Il y avait pas besoin de lui. Mec, j'avoue, t'as fait 3 cases tout seul, incroyable. Il y avait pas besoin de lui. Il y avait pas besoin du mec du terrain, Je suis en train de me connecter! Tu es connecté? Sentinelle AI, attention, détection imminente. Ok, j'arrive. Type de sentinelle, c'est un rond et un triangle. Le rond coupe le triangle. C'est bon, c'est réinitialisé. Parfait. Ça commande trop fort. C'est bon, je suis à 100%. Prochain logo. Ok, prochain temps. J'analyse la menace. Ok, c'est un triangle avec 3 ronds sur la gauche. C'est une flèche. Ok, qui tire ok, à la droite. C'est fait, bien joué. Ça, je suis trop fort en communication. 5, 4, 3, 2, 1. Merde, avec moi. Tu es bête, je peux pas, j'attends. Je t'attends, tu es où? Ok, attends. 0 0 0 1. J'ai pas, faut que tu m'ouvres une porte. Ok, je scanne micropuce.zip. Alors?
confidentiel.micropuce.zip. J'ouvre le dossier, je copie. Allez, j'attends là, j'attends, moi je suis sur le terrain fort. Ah, attends, je suis en confidentiel, frérot, je suis en train d'ouvrir ces news. Transfert du dossier de la micropuce, confirmé. Demande d'extraction. Ok. C'est à toi de jouer là. Attends, je vais. Ouais, j'arrive. Joue là. Connexion à distance, nanana, extraction, c'est bon, j'ai cliqué. Merci. Oh non. Menace. Vite. Sors, Je sors. Aidez votre partenaire à s'échapper. Je m'en bats la rage. Sous-sol ou ingénierie. Sous-sol, vas-y, sous-sol. Je peux rien faire. Active l'ascenseur. Attends, c'est bon, je suis dessus. Tu veux quoi, oh, l'ascenseur? Je suis dans l'ascenseur qui mène au sous-sol actuellement. Et j'ai pas besoin de t'aider? Non. Ok, je regarde sous-sol. Ouais, va au sous-sol, je vais avoir besoin de toi, c'est sûr. Ça a l'air safe le sous-sol, ça a l'air d'être le bon call. T'as une tourelle automatique, frérot. T'as une tourelle de défense au sous-sol. Elle est où? Elle est devant une porte, fais gaffe, tu vas te faire tuer. Je te vois là, je te vois, attends, bouge pas. Ah, je la vois la tourelle, je la vois. Ok. Je peux lui envoyer un emoji, j'envoie quoi? Attention, tourelle actuellement désactivée, vas-y, roule. Roule. Je peux y aller? Ouais. Mec. Elle était pas désactivée, tu m'as menti! En fait, tu dois l'activer. Oh, vas-y, va l'activer. Vite, tirez-vous de là. Retourne au sol. Et en fait, tu dois la bait pour que je puisse l'activer. C'est bon là, tu peux. Je l'ai bait. Contrôle manuel, vas-y, je suis en mode manuel. Roule, c'est dit. Il y a deux verrous sur la porte, un en haut à gauche, un en haut à droite. Je peux pas. Je peux activer, je télécharge un plugin. Tu m'as tué. Oh non. Je t'avoue que j'ai beaucoup apprécié ce moment. Vite, vas-y. Tirez-vous de là. Ok, je suis en mode manuel, vas-y. Ok. Va pas devant le panneau de contrôle. Tire en haut à gauche de la grille, genre là, juste au-dessus de moi. Voir. Non, en haut à gauche, là où je regarde, là. Non, en... Danse. Là, en haut à gauche, en haut à gauche, voilà. Ok, ça fait rien, c'est pas grave, c'était peut-être ça. Ok, là je peux faire un truc, je télécharge un plugin. Vas-y, fais ça. Ok, j'ai des nouvelles lunettes, je vois un câble qui fait le tour du mur. Ok, il faut que tu tires un mètre au-dessus de moi. T'es où? Tu es bête, un mètre au-dessus de moi, plus haut. Encore un peu. Voilà. Ça marche pas? Voilà, GG. Ok. C'est trop fort. Tire juste devant moi. Entre toi et moi, juste devant moi à mes pieds. Voilà, encore. Voilà, excellent, GG. Bien joué. Mais t'es un génie. Mais c'est toi le génie. T'es un génie, mec. Bravo, mec. T'es un génie, mec. Mais t'es un génie, mec. On s'est échappé, frérot. Regarde, on se fait un check. Comment t'as su que c'était le sous-sol, frérot? On prend le Zodiac. Je sais pas, parce que j'ai l'instinct, mec, pour ces choses-là. On a chopé le microchip. On a tout. S'il y a du TK, j'ai déjà buté, les gars. Mission complétée, bravo frérot. On change les rôles pour le prochain ou pas? Ou tu veux rester hacker? Non, on change. Comme tu veux, qu'est-ce que tu veux? Je te pose la question. Ça change rien, les deux c'est la même chose en fait. Que veux-tu? Vas-y, je veux bien jouer l'agent. Voilà, je savais bien que t'avais une petite préférence. Vas-y, je prends l'agent. Je prends le hacker. Mec, mon écran c'était un truc avec des cubes. C'était ça ton premier? Ouais, moi aussi, ouais, c'était pareil. Ok. Ok, de retour derrière le clavier. Ok, bonjour. Qu'est-ce qu'on doit voler? Beau travail. Vous avez découvert le nom de code de notre tueur, Cypher. Cypher. Les recherches sur le Dark Web révèlent qu'un industriel véreux du nom de Jib Renning a engagé Cypher pour l'assassinat numérique de plusieurs concurrents. La liste des cibles doit être transmise à Cypher pendant le trajet en train de Renning. Votre mission aujourd'hui est de prendre ce train, d'identifier Jib Renning parmi les voyageurs et d'intercepter la liste des cibles. Bon courage. Ok. Log, t'es bon prêt? Je suis prêt. Tu vas prendre le train, mon pote. Pareil. Tu vas prendre le train. Pourquoi tu vas passer au train? Maintenant, trouvez Jib Renning. Oh mec, je vois des gens. Alors, attends. Enquête. Aucune enquête dispo. Électrique.
passager. Il faut que je trouve le mec. Ouais, faut que tu trouves le mec. J'ai le nom de tous les passagers et quand je clique dessus, je peux avoir leur IP. Okay, et sinon, je peux rechercher par nom ou par IP. Donc je pense que tu vas devoir trouver un nom ou une IP. Comment il s'appelle Cypher et c'est quoi son vrai nom? On l'a pas? Ils l'ont dit ou pas? Attends, je pirate des profils là pour tester, mec. Vas-y, vas-y. Ah, casseur de mot de passe, attends, j'arrive, bouge pas. Décrypteur de fichiers. Faites glisser, déposer un fichier pour le déchiffrer, ok. Il te faut un mot de passe. Il te faut un mot de passe? Ouais, 4 chiffres. Ok, comment il s'appelle le mec que tu hack? J'en sais rien. Tu sais pas? Tu peux pas savoir? Non. Je vois juste, en fait, c'est un Renault avec des lunettes. Métro rail régulier, église du ciel. C'est quoi métro rail? Ah, métro rail régulier, église du ciel, t'as dit? Ouais. Ok, je cherche. Métier babysitter, aime ramasser des roches lunaires. Ah, mais attends, J. Brenning, il est où? Attends, peut-être qu'il est dans. Ah, mais c'est bon, Brenning Jacobus, attends. Attends, Jacobus Brenning, c'est Metro Rail Premium, jeu AR et bouge ton corps. C'est lui qu'on doit choper. Pas lui, non. C'est... Ah ouais? Ouais, c'est lui qu'on doit choper. Trouve un mec qui a Metro Rail Premium, jeu AR et bouge ton corps. C'est le seul BJ qu'il y a de, c'est du quoi, truc. C'est quoi bouge ton corps? Je sais pas, tu sais, c'est dans les apps qu'il a, tu sais. Ok, je regarde. Banque crypto, Metro Rail, jeu AR, amour de toi. C'est un mec qu'on cherche? Ouais, c'est un mec. C'est J. Brenning. C'est fini. Il est dans le wagon 2. Attends, t'es dans. Attends. Ok, il est dans le wagon 2. Je t'ouvre la porte. Va au wagon 2. Vas-y, go. Ah bah merci, frérot. Voilà, il est dans ce wagon là. Il est dans ce wagon là. Okay, check. C'est lui. Non. Metro Rail Premium, jeu AR, bouge ton corps. T'as dit Metro Rail Premium? Ouais, Metro Rail Premium, jeu AR, bouge ton corps. Il est dans le wagon 2. Putain, c'est... Ok, je l'ai. Tu l'as? Non, attends, non, j'ai pas jeu AR. Jeu AR, Metro Rail Premium, bouge ton corps. Je l'ai. Ok, je l'ai. Ok, le vas-y, pirate. Vas-y, pirate. Je pirate. Ok, vas-y, donne-moi son code. L'IP? Casseur de mot de passe. Ouais, mais moi aussi j'ai ça. En attendant la première tentative de votre partenaire pour identifier la clé. Run. Échec. 3 chiffres corrects, 1 chiffre erroné. 3 chiffres corrects, 1 chiffre erroné, t'as eu. Ah bon? Ouais. Et y'a un ordre ou pas? Je sais pas, non. Il me dit juste combien de corrects, combien de faux. Donc change un chiffre et on verra okay, lequel était. Dis-moi, là. 2 chiffres corrects, 2 chiffres corrects dans la mauvaise position. Ils sont tous bons et t'en as 2 dans la mauvaise position. Vas-y. 4 chiffres corrects. Je suis incroyable. T'es un génie. Je l'ai. T'es un génie. Jacobus Brenning, transféré. Vous pouvez maintenant espionner les échanges entre Brenning et Cypher. Salut Cypher. Je suis dans le train, tout est prêt. Tu as mis en place une mule pour notre transaction. Oui, j'ai piraté un voyageur au hasard. La liste des cibles est maintenant stockée sur le système de cette personne. T'es chargé quand t'es prêt. Molette. Pas encore, j'attends Molette. Une zone sûre. L'adresse IP de la mule est dans ce fichier. Cette personne se trouve dans le wagon 4. Ok, je suis en train de décrypter le fichier pour avoir ouvre-moi l'adresse. Le wagon 4 en attendant. Non. Tiens, je te l'envoie. Je t'ouvre le wagon. Quoi, là? Je t'ai envoyé le... Ouais, voilà. Je t'aide à décrypter. Ok. Attends, faut faire quoi? Ah ouais, merde, attends. Monte, vite. Non. Descends. T'es nul. Mais tu vas trop vite. Arrête d'aller aussi vite. Mais regarde comment t'es nul. Là, c'est bon, on est connecté, là, frérot. On est connecté, mais il y a zéro erreur, je te le dis. Allez, zéro erreur. Allez. Oh, merde. Sois pas si un gros noob. Des gnoobs, va. Très bien. Waouh! Oh! Waouh! Oh, celui-là, on est au cerveau, on fait l'amour, frérot, là! Ouais, waouh! Et fanfiction, c'est parti. Oh putain. Oh là là. Oh là là. Oh là là! Oh là là! Mais qui peut nous stopper? Ok, donc faut que t'ailles dans le wagon 4. Va dans le wagon 4, j'ai son IP, t'as vu 100, 140, 77, 149. Allez, let's go. Vas-y, je cours. Ah, mais attends, moi aussi, du coup, je peux le trouver. Faut qu'il est dans le wagon 4. Passager. C'est bon.
Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un mec, je vais te dire. J'essaie de comparer les adresses IP. 177, c'est pas ça. Donc tu me redonnes les trois attributs. Ouais, je sais. C'est pas ça. C'est pas ça, attends, je le cherche. Hein. Ok, je l'ai. Il s'appelle Yanga Swanson, c'est Métro Rail Régulier, Banque Crypto et Église du Ciel. Métro Rail Régulier, Banque Crypto, Église du Ciel. C'est un mec? Je sais pas, Yanga Swanson, je sais pas. Non, femme, c'est marqué femme. Ok, vas-y, je l'ai. Ah, j'aurais pu taper l'IP pour le trouver direct, MDR. Ok. En attendant la première tentative, vas-y, tente. Deux bons, deux faux. Votre système a été infecté par un virus. Virus. Je me fais hacker. J'ai des pubs, frérot. J'analyse le virus. Quoi? Les deux utilisateurs doivent nettoyer le même type de virus simultanément. Ok, tout en haut à gauche, winner, go. Tout celui tout en haut à gauche. T'as cliqué? Mais t'es bête ou quoi? Mais non, il faut le faire dans le même ordre. Arrête d'être bête. Ok, là tu les vois disparaître, tu les vois aussi sur ton écran. Oui, retire celui en haut à gauche, retire tous les winners. Tous ceux où il y a marqué winner. Vas-y. Non, on peut pas, faut retirer les AMEC 3200$. Retire les AMEC 3200$ s'il te plaît. Ça y est. AMEC 3200$, tu les vires tous. C'est bon? Voilà. Non, moi ils reviennent. Ah ok, faut le faire en même temps. Attends. J'attends que ça se pop. Ok, on commence. Go, viens, go. Viens, on commence, on fait un cercle. Commence par en haut à gauche et après tu fais droite et gauche. Ok, okay. Fais un cercle. Ok, vas-y, okay. Vas-y. 3, 2, 1, clic. GG. Nickel. Maintenant, retire tous les winners. Go. Ok, en commençant par celui-là. Ouais, au go, go, c'est parce qu'on s'en fout de l'ordre, ça change rien. Ok. GG, maintenant les warnings. Vas-y, go. Sois pas bête. GG, frérot, GG. Virus nettoyé, bien joué. Sois pas bête un peu. Ils ont vraiment tout fait pour protéger la mule des intrusions. Ok, réessaye ton truc de mot de passe là. T'avais deux bons, deux faux. C'est bon, j'ai gagné, je pense. Mais mec, connexion contemporainement désactivée. Je viens d'éteindre ta connexion sur la mule, alors je déploie un méchant virus pour faire peur. Branding, ça pue, okay, je reçois toutes les tentatives. Ramène tes fesses dans le wagon 4. Attention, il arrive dans le wagon 4, J-Branding. Et alors, je fais quoi? J'ai fermé la porte pour l'empêcher. Il est en train de la hacker. Il est dans ton wagon. Attends, là. Attends, j'essaye de la hacker encore là. Il est dans ton wagon, fais gaffe. Il m'a vu. Bloque-le! Afin de trouver la mule qui porte la liste des cibles. Bloque-le, Squeezie! Mais c'est ce que j'ai fait, mec. J'avoue, j'avais pas bloqué la première porte. Bloque-le! Ouais, c'est bloqué. Il est en train d'hacker, il arrive dans le wagon 3, Fais quelque chose, frérot! Je fais quelque chose, c'est bon. Allez, t'as la liste des cibles, t'as un truc ou... Ah non, t'es assis, tu te fais incognito, ok. Ouais, je suis assis là, comment tu sais? C'est votre dernière chance de récupérer la liste des cibles. Chope la liste, assis-toi à côté de là. Mais il faut que tu me dises! Chope la liste! C'est bon, il s'est barré, il est dans le wagon 3 là, il dit non, y'a personne. Ok, bah attends, je regarde là alors. Pirate! Ça y est, j'en vois. Tu peux là, t'es tranquille, t'as piraté? Ok, non, il faut que tu me dises. Trois correctes infos. Ouais. Et là. Trois correctes infos. Vite, il est en train de télécharger la liste, faut que tu fasses vite. Trois correctes infos. Trois correctes infos. Mais je suis bête ou quoi? Attends, je suis bête. Deux corrects, deux dans la mauvaise position. Trois corrects, un erroné. T'as changé un chiffre, débile. Trois corrects, un erroné. Pourquoi t'as changé un chiffre? Deux corrects, deux dans la mauvaise position. Il reste que 30 secondes, mec. Deux corrects, deux dans la mauvaise position. Non mais frérot, c'est infernal. C'est bon, GG.
Liste des cibles, intercepter et transférer la liste des cibles. Run, vas-y. Fume-le, fume-le vite. C'est bon, c'est bon. C'est fait. C'est qui ce mec? T'imagines, t'arrives comme as. Bien joué. C'est bon, on l'a niqué. GG frérot. C'est le moment de rentrer. Tu es incompétent, Brenning, le dossier a disparu. Hein? Il y avait quelqu'un dans le train qui te suivait, t'as... Je me cache. Reste caché au cas où ils s'embrouillent les deux, je crois qu'ils vont... Il va y avoir un règlement de compte. Et merde, si je ne peux pas récupérer ce fichier, personne ne pourra... Qu'est-ce que tu veux dire? Allô, allô. GG, on a géré, GG Lock, GG frérot. GG mec. Quoi? Il accélère hors de tout contrôle. Vous devez l'arrêter. Oh merde. On doit arrêter le train mec. Arrête le train. Activez les freins d'urgence du train. Envoyez un opérateur au moteur pour activer le freinage d'urgence. Ouvre la porte, ouvre la porte. La porte. J'ai ouvert, j'ai tout ouvert. Va tout à l'arrière. Tout à l'arrière du train. Je peux pas, c'est fermé. De l'autre côté, idiot. Je cours. Fonce. Comment tu sais que c'était de l'autre côté? Parce tu que j'ai la map. Fonce. Je cours. Fonce. Wagon 1. Vas-y, fonce. Encore? Ouais. Ouvre. Je peux pas l'ouvrir celle-là, je peux pas, attends, j'ai interdit aux voyageurs. Transfert, visionneuse électrique, je t'envoie un plugin, tu vas pouvoir ouvrir la porte, let's go. Vas-y, envoie. C'est bon. L'accès au moteur est interdit aux voyageurs. Ok, disjoncteur, qu'est-ce que je peux, quoi? Là je peux activer des disjoncteurs, j'ai une liste de plein de disjoncteurs, c'est des trucs avec plusieurs lettres. Oh putain, attends. RTD, TF1, TFT1, c'est ça? Ouais, j'ai mis RTD. Ensuite. Ensuite. TFT1. Attends, danger, une tentative ratée. Bah ouais, mais dis-moi les bons trucs, mec. Bah attends, oh. Deux secondes, il faut que je repasse tout le train, frérot. Pourquoi? Parce qu'en gros, je vois à travers le sol, il y a des câbles. Merde. On vient de se rater, mec. Là, on a plus droit à l'erreur. Mais tu t'es raté, frérot. Non, tu m'as dit RTD, TFT1, tu t'es trompé. J'ai appliqué ce que tu m'as dit. Tu? Attends, je suis le câble, je suis bête. Attends. Bête, il est bête. Sur le câble. Ok, WCD. Attends, je dois faire les trois en même temps, je pense. WCD, il y en a qu'un seul. Roule. C'est tout? Oui, vas-y, roule. Mais non, fallait me dire le truc de tous les trains. WCD. Ah non, c'est allez. Bon, GG, vas-y, go. Alors, mec, verrou de sécurité. Utilisez les 6 modules de refroidissement pour stabiliser la température du moteur et débloquer le freinage d'urgence. J'ai des instructions pour tous les trucs, pour les 4 trucs. Tu peux aller vers le verrou de sécurité. Ouais, verrou de sécurité, j'y suis. Module ok, de donc t'as deux leviers. T'as deux roues. La roue de gauche, donc tu la mets genre sur une horloge entre 12 et 6. Alors non, l'heure c'est 11h05. Enfin, 11h25. 11h25. Du soir ou du matin? Tu es bête? 11h25, allez, 11h25 s'il te plaît. Et la deuxième horloge c'est midi ou minuit, comme droite, tu veux, c'est pareil. Droite. Ouais, celle de droite c'est non, midi. Elle est droite, c'est bon. Ok, GG. Ok, ensuite compensateur droite, latéral, let's go. Nombre de connecteurs, faut que tu me dises le nombre de connecteurs. On a 2 minutes, batterie, mec. Batterie de sauvegarde, compensateur latéral, vas-y. Ouais, combien de connecteurs? J'en ai 4. 4 connecteurs, un blanc, ok. 2 rouges et un vert. Ok, s'il y a plus d'un connecteur rouge, activez le dernier connecteur rouge. Si le dernier connecteur n'est pas vert, activez le premier connecteur. S'il y a un seul connecteur bleu, activez le connecteur vert. Sinon, activez le deuxième connecteur. Le dernier connecteur est vert. Ok, il y a un seul connecteur bleu ou pas? On est mort, frérot. Il y a un seul connecteur bleu non, ou pas? Dis-moi. Zéro bleu. Zéro bleu, ok. Il y a plus qu'un seul connecteur rouge? Deux rouges. Active le dernier connecteur rouge alors. Active le dernier connecteur rouge, s'il te plaît. Non, parce que lis le truc du vert. Active le dernier connecteur rouge, fais-moi confiance, pose pas de questions, go. C'est activé. Ok. GG, attends. Mais non, c'est pas bon, je crois. C'est quoi le quart? Bah fallait activer juste le dernier connecteur rouge, tu l'as fait ou c'est pas? Bon, c'est bon, voilà, c'est tu bon, l'as c'est fait, bon. Putain t'es lent. Vas-y. Il nous reste 2 modules. On a gagné 2 minutes 25. Ok, regarde, ok, regarde, batterie de sauvegarde, combien? Rouge, vert, bleu. De quel composé avez-vous besoin pour créer carbonate d'éthylène, ion de lithium, spinel de manganèse ou oxyde? Oxyde de nickel. Ok, c'est fait. Utilisez dans l'ordre. Vert. Vas-y. Bleu. Attends.
Deux verres de bleu. Ensuite, bleu. Ensuite, okay. Un verre. Attends, instable. Ouvrir le kit de stabilisation, attends. Statut du composé, acide, saturé, acide, corrosif. Acide. Okay. Ajoutez 5 gouttes de stabilisant en 2 secondes. Ok. Ok, donc vert, bleu, ensuite. Bleu, donc deuxième bleu, c'est envoyé, ensuite. Vert, rouge, vert. Bravo, c'est mon bébé, bravo. C'est gagné, c'est fait. Attends, c'est gagné. GG, ok. Dernier j'ai truc. J'ai gagné. Régulateur de charge, j'ai gagné, bien joué. Entrée l'ID de la station du régulateur de charge. 49-92, j'ai gagné. Ok, entrée, j'ai gagné. Alors, combien de voyants, il y a combien de voyants allumés, s'il te plaît? Deux. Ok, les deux qui sont allumés, est-ce qu'ils sont sur la gauche? T'as le premier, c'est un, tout à gauche. Ok. Et le dernier, c'est deux, tout à droite. Quand tu dis un, donc il y en a un allumé tout à gauche et deux qui sont allumés tout à droite, c'est ça? Attends, non. Donc t'as trois voyants allumés au total. Il y a quatre voyants, on est d'accord? Ouais, non, je sais pas. Quatre voyants tout en bas à gauche. C'est tout? C'est tout. Ok, utilise une charge totale égale à moins 3. Moins 3. Mec, je suis trop fort en mathématiques, je suis meilleur. Erreur, mais t'es trop bête. Mais t'es bête. Mais t'es trop bête. Redis l'ID de la station. Régulateur de charge. Oh, attends, il y en avait un autre derrière moi. Il est nul, redis okay, la station. 0105. C'est ta faute, frérot. Putain, j'ai un bug de clavier, c'est bon, j'y suis. On a une minute, mec. Combien de voyants allumés? Deux voyants en bas. Deux voyants en bas, c'est tout? Ouais. Charge totale égale à 2. T'es un boss, laisse personne te dire le contraire. T'es un monstre. C'est bon. Bien joué, mon pote, t'es un monstre. Dysfonctionnement, consulterai LRR. Faut faire quoi là? Console LRR, numéro d'erreur s'il te plaît. 7233. Utilisez cette clé LRR, déverrouillez l'armoire à clé pour l'opérateur du train débloqué. C'est un j'ai 9 la clé. C'est bon, tu l'as? J'active. Vas-y. Traitement en cours, 35%, 70%, 100%. Bravo, félicitations. La mauvaise clé. Ah putain, ok. La clé c'est un 9, mais la barre la plus à droite du 9, elle continue légèrement. Et elle forme en bas, il y a comme un triangle. Il est plus précis, s'il te plaît. C'est un 9. Genre le tout petit triangle, grand triangle, c'est comment? C'est un triangle genre. Pas équilatéral, isocèle. C'est un triangle isocèle orienté vers gros, le haut. Un gros. En gros, il y a la moitié du triangle qui dépasse de la barre. La moitié du triangle dépasse de la barre. Ok, et ensuite, la barre elle est où? Quelle barre? C'est un 9 et la barre la plus commence à droite. Commence par le haut, c'est un carré, on est d'accord? C'est ensuite, un 9. Ensuite, tu descends, il y a une barre. La barre c'est quoi? Écoute ce que je te dis. Il y a un 9. Non, toi écoute ce que je te dis maintenant. Non, toi tu m'écoutes. Il reste une minute. Il y a un 9. En haut c'est un carré. Non, t'as écouté. Ok, en haut c'est un carré. Ouais, ok. Ensuite, le trait c'est quoi? Est-ce qu'il est plus long que le carré? Putain, écoute-moi. Putain, c'est pas compliqué. Est-ce que le trait est plus long que le carré? Écoute-moi! C'est un 9! Enfoiré de tes morts! C'est un 9 et la barre verticale à droite du 9, elle continue, elle vient former un petit triangle tout en bas. La barre verticale à droite du 9, tu vois laquelle je parle, la plus grande barre, la barre qui relie le haut et le bas du 9. Tu vois ou pas? Non mais c'est pas possible ce qui se passe dans ta tête, mec. Je t'explique. Sinon on est mort. Écoute-moi. 32 secondes, fais vite. En haut, il y a un carré. Ensuite, le carré il descend, on est d'accord? Et ensuite, il y a une barre. La barre, est-ce qu'elle est plus grande que le carré, oui ou non? Non, même taille. Même taille. Ensuite, en bas, c'est un triangle, même taille ou pas? Comment ça? Même taille ou pas? Même taille que quoi? Même taille que quoi? Que la barre et le carré. Non, beaucoup plus petit. Ok, c'était compliqué. Non. 0%, 50%, 70%, 80%, 90%, 100%. La mauvaise clé. C'est pas possible.
Frérot, j'ai plus qu'un liquide de refroidissement, faut vraiment qu'il soit bon. Ok, il y a un carré, écoute-moi bien. C'est un petit triangle, c'est un petit triangle, c'est un petit triangle. Et là, et la barre passe par dessus. Un tout petit triangle. La barre coupe le triangle en deux, elle arrive à la moitié du triangle en gros, ok. Et donc t'as une moitié de triangle qui dépasse de la barre, et l'autre moitié du triangle est dans la barre, c'est tout. J'ai envie de te fumer, mon frérot. J'ai vraiment envie de te fumer. Mais pourquoi? Tu sais quoi? J'en ai un peu rien à foutre, j'essaye des trucs au random. Mais... T'as plus de liquide là? J'en ai un seul, mais vas-y, mais... Allez hop, c'est bon, c'est GG, gagné. GG. Ah putain, heureusement que je t'ai donné la bonne clé, heureusement. j'ai gagné. GG, heureusement que je t'ai donné la bonne clé, putain, mais heureusement que j'ai gagné. Qu'est-ce qu'il manque là? Je comprends pas, il manque quoi? Là, régulateur de charge ou compensateur latéral, qu'est-ce que tu veux? Ben on a raté quoi? Vas-y, go, compensateur latéral. Combien de connecteurs? 2 verts, 1 noir, 2 bleus. Donc 5 connecteurs, 2 verts, 1 noir, 2 bleus, ok. Est-ce que le 4ème connecteur est noir? Non. Est-ce qu'il y a 2 verts, 1 noir, 2 bleus? Fais le 5ème connecteur. T'es sûr? Ouais, sûr, allez go. Vas-y, c'est bon, ça marche. Régulateur de charge, celui qu'on a loupé tout à l'heure. Allez. La petite bougie en bas à gauche. L'ID, s'il te plaît, c'est quoi? 49-92. Ok. Donc, combien de voyants? Combien de voyants, ils sont où? En bas à gauche, un seul. Tu me dis moins 3, je te bute. Il y a un seul voyant allumé, au total. Un seul voyant allumé, okay. Et il est en bas à gauche. Charge totale égale à 1. Ah, tu vois, c'était pas moins 3. Hein? Non, tout à l'heure tu m'as dit qu'il y avait beaucoup plus qu'un voyant, espèce de mytho, bah, tu es nul et bête. Tu es nul et bête, j'ai gagné. Tu es idiot, frérot, j'ai hâte d'aller sur le terrain parce que putain, l'agent sur le terrain c'est vraiment un débile. Eh mec, j'ai hâte d'aller derrière l'ordinateur. Quel parce débile. Que le mec derrière l'ordinateur il sait même pas donner un 9. Non mais sérieusement. Batterie c'est... de sauvegarde. Ok, batterie de sauvegarde encore. Carbonate d'éthylène. Ok. Bleu, vert. Bleu. Attends, hein, c'est lent. Vert. Ouais. Bleu. Ouais. Vert. Attends. Ok. Composé. Visqueux. Ajoute 5 gouttes avec une seconde d'intervalle. 5 gouttes, une seconde d'intervalle. Ok, donc c'est bleu, vert. C'était bleu, vert, ouais. Donc vert. Ok, ensuite c'est vert, rouge, bleu. Il y a vert, rouge, bleu. Encore vert? Ouais, vert, rouge, bleu. Oh mec, ça sent mauvais. Rouge. Et bleu. Ok, non, ça a l'air bon. Appliqué. Bravo! Bête ou quoi? Ah, il est bête, mon agent, il est bête. Si bête, bon, accroche-toi, si bête. Je vais cliquer sur le frein. Accroche-toi. Non, je clique sur le frein. Non, je clique sur le frein, regarde. Hop, non, j'ai cliqué. C'est moi le héros. C'est moi le héros, j'ai cliqué. C'est moi le héros. Heureusement, j'ai cliqué, regarde. J'ai gagné. Regarde, c'est moi. J'appuie sur le frein, j'ai gagné. Je suis Spider-Man, j'ai arrêté le train. Bravo, frérot. Bravo, merci. Bravo. Putain, vivement que je tourne sur le terrain parce qu'il est bête. Vivement que j'aille derrière l'ordinateur parce que ce mec-là, il sait même pas. Eh, tu verras. Hein, ce gars-là est nul, il sait rien donner. Tu verras que la clé, frérot. Tu vois que la clé, elle est vraiment pas... C'était vraiment pas difficile comme exercice. Bah c'est toi qui es nul et bête. Non, t'étais continuellement en train d'essayer de décrire un 9. Mais parce qu'il y avait un 9 bête. Et en bas, il y avait un petit triangle. Et toi, tu m'as pas dit juste le triangle, dis-moi juste le triangle. Si bête. Il est bête. Et cerise sur le gâteau, votre piratage de la conversation avec... Faut que j'aille chercher un sort dans Elden Ring pour qu'on fait du PVP, mec. C'est le sort le plus fort du jeu. J'en ai marre. Alors on va faire du PVP après. Il pense qu'à ça. On va faire du PVP. Le jeu est archi bien, mec. Vraiment, j'ai rarement autant kiffé un jeu en coop. En vrai, Locke, il a rien qu'affiche à la clé et il accuse Squeezie XD. Voilà, des vérités sont dites dans le chat. Le mec, attends, vraiment, il a dit ça premier degré. Des vérités sont dites. Non, mais premier degré, le mec, là, il a dit ça. Ouais, t'as suivi la mission, t'as suivi le brief? J'ai rien suivi, je suis dans le dark web, donne-moi l'adresse IP. Ah, t'es dans le métaverse, j'ai vu, t'es branché. Ouais, je suis dans le dark web, adresse IP. Mais tais-toi, je sais pas, tais-toi. Votre partenaire, dark web, couche réseau 1. Couche réseau 2, noyau du serveur. Adresse IP. Arrête, navigation. 243, 234, 140, 144. Je le répéterai pas.
Pas besoin, je suis le meilleur hacker du jeu. Ok, allez, on y va. Je te vois. Je suis à l'intérieur là, je suis en train de jouer à Beat Saber là, frérose. Je suis en train de jouer à Beat Saber, ouais, je vois. Et de là, atteindre le serveur de Cypher, ok. Moi, je fais quoi? Je sais pas moi, accréditation, tu sais quelque chose? Va tout en bas, tout en bas, tout en bas. Tu vois les trucs rouges ou pas? Le signal de connexion. Je suis en train de ramasser des trucs en mode Beat Saber, frérot. Je mec, vois des barres rouges. Connexion ouais. Avec le partenaire, fonction à réparer, une. C'est quoi la fonction à réparer, s'il te plaît? S'il te plaît. Max Signal Connection. Max Signal Connection, c'est bon, c'est fait, bien joué. C'est bon, j'ai réussi à hacker. Terminé. Division du réseau entrant. Accréditation, est-ce que t'as un truc avec genre deux chiffres, une lettre, puis 92, trois... 18, 92, 3. 18, 92, 3 ? Oui. Dépêche-toi ! C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Serveur, proxy, base de données, vite, 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 vite. J'ai pas. Voilà. Accréditation, laquelle je mets? C'est deux chiffres, une lettre, un tiré, trois lettres. T'as pas ça? Attends, je te redirige. Redirection, il me faut des coordonnées, je peux taper des chiffres. 7PT1V32P. 7PT1V3 quoi? 2P. V3, 2P. 7PT1V3, 2P. C'est bon, je t'ai redirigé, tout va bien. Si bête, je te redirige, tu t'égares et je dois te rediriger, tu es bête. Si bête, je lui donne les éléments, il n'est pas capable de réagir. Tu es bête, tu prends le mauvais chemin. Accréditation, ça servira tôt ou tard, hein, faudra que tu me dises. J'ai 6. 6. 6, 1, T, A, C, C. Traceur entrant 10, 9, 8, 7. Je sais pas quoi faire. Je peux rien faire. Bah prépare-toi, je crois. Bah tu dois les esquiver, esquive-les. J'ai un traceur là, reste j'ai un au traceur. Milieu, reste au milieu, au milieu. Bah ouais, dis-moi. Ok, Claude. Va en haut. En haut, c'est là? Non, là c'était en bas, mais c'est pas grave. Connexion avec le partenaire, s'il te plaît. Il y a deux trucs à réparer. Ping route, bypass, transmission. Ping route. Ok, et bypass, transmission. Ouais. Ok. C'est fait. Perdu encore. On va faire non, c'est fait, c'est bon, c'est bon. Non, mais c'est... il y a eu un autre truc, frérot. Ah putain, c'est quoi? Vas-y, dis-moi vite. 4K8LT3V6. Tu es nul et bête. Si nul. Ok, donc va en bas pour voir. Va en bas pour voir. Attends. Attends, je me connecte là. Je vais en bas. En bas, c'est dans la droite. Ok. Mais tu me dis en bas, y'a pas de soucis. Ok. Là, regarde, je vais. Attends. Vas-y, bon. Ok, là, c'est bon, c'est en bas. Ouais, là, t'es en bas. 39SACC. 39SACC, mate-toi! C'est bon. Voilà, ça, c'est les barrières à t'ouvrir. Ok, c'est bon. Ok. 55ZACC. Ouais. T'as quelque chose à me dire? Pour que je te l'ouvre? 55! Hey, okay, j'ai un traceur, mec, dans 8 secondes. C'est bon. Mets-toi en haut. Traceur dans 8 secondes. Oh. 14KACC. Oh! Je reste en haut. Ok. Putain, ça c'était mid. Je reste mid. Oui. Mais t'es... Ok. C'est bon, je suis safe. T'en fais 4 à tête, hein, c'est dingue. Hein, mais j'ai ramassé le ping, 22, 85, 7, je vais où? 22 ou 85 ou 7, je vais où? Je sais pas. Mais t'es bête! Y'a pas marqué, c'est pas ma faute. Et voilà, redirection en cours. Ah ouais, tu es bête. Dis-moi vite, le code de la porte. Y'a rien, on est mort. Cible 6.6. J'en ai une à 1 GHz. Attends. 6.6. Mais 0.6. 6.6. Mais 6 c'est là mec, c'est ça. Voilà, ok, GG. Va en haut. Ok, c'est bon. Retourne au mid maintenant. Quelle pile alignée s'il te plaît? Quelle pile j'aligne? En haut à droite, 1 et 5. Ah non, première colonne alignée à 5. Ça veut dire quoi? Je comprends pas mec, j'ai deux colonnes et je peux juste déplacer des... Première colonne en bas à gauche. Première colonne en bas à gauche, je comprends pas. Ok, stop. J'en ai une qui est à 3, colonne numéro 1, 3, colonne numéro 2, 2. Ça t'aide ou pas? En fait, je t'explique, j'ai des piles, la colonne de droite, je peux bouger les piles parmi elles. Et entre les 5 piles, il y en a une, il y a marqué ne pas aligner. Colonne de gauche, je peux bouger aucune pile. Descends. Descends la 2 en 3. Voilà. Bouge pas. Ok, GG. GG. GG.
Je comprends rien, mec. Je suis en train de connecter la matrice. Ok. Il y avait un nœud de sécurité relié au serveur. T'imagines, c'est ça de hacker, frérot. Reste au mid. Je reste mid. Bah, je suis plus au mid. Ok, là, t'es dans le cube. Accès au nœud. Ouais. Chargement. Ouais. 0-0, j'ai gagné. J'ai gagné, je t'ai battu. J'ai 30 points. Je t'ai battu. J'ai gagné, mec, j'ai gagné. Je comprends rien, mec. Clic, Claude. Mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je clique, idiot. Mais tu me retires des points, je crois. Je te retire rien du tout, t'es parano, mec. J'ai gagné. J'ai mis 1000 ans à comprendre, putain, fais chier. Je t'ai aidé. Je savais pas qu'il fallait cliquer au milieu. J'ai gagné. Ok, on fait quoi? Clé de réseau révélée. J'ai une échelle, j'ai un smiley, j'ai okay, un mec qui un logo plus avec une barre horizontale au-dessus. Un logo plus. Va. GG. 1471. Je les vois les trucs rouges, t'inquiète. 1471. Va-haut. Tiens. Ah oui, tu vois les trucs rouges, pardon. Je les vois les trucs rouges, c'est des. T'inquiète. Envoyez un ping quand votre partenaire vous le dit. Dis-moi. Maintenant. Et mec, j'ai reset. J'ai 28, 21, 8. Je vais où? Serveur, proxy ou base de données? J'en sais rien. Proxy. Ok. Mais bon, on démarre quand même. Ah non. Non, c'est bon, on s'en sort bien, mec, je te jure. Ok, on va où? 5 gigahertz. C'est une échelle à 4 barres. Avec des points ou pas? Non, des traits. 21-32. 4 barres, attends. C'est une grosse échelle, genre elle est fat. Elle est grande, 4 barres, 4 petites barres au milieu. Et elle se touche. C'est bon, okay. J'ai mis 21-32. Ok, je te dis quand t'appuies. Maintenant. Oh, pas loin, GG. On est bien là, on s'en sort bien. Ok, quelle okay. pile, je fais quoi? La 5 à droite, tu l'as fait monter tout en haut. C'est tout? Oui. Encore. Ah merde. Monter. Encore. C'est bon? Voilà. Trop facile, c'est bon là. Sortez-nous. C'est quoi ce jeu pour enfant là? Serveur. Ok, je vais où? Serveur? Ouais. Valeur la plus élevée, c'est bon. Aïe aïe aïe, mais comment on joue bien? Aïe aïe aïe. Eh, c'est quoi ce jeu pour enfant là? Et on est où là? On est des adultes nous. Traceur entrant, tu me dis. Là, je suis à droite. Ok. Là, t'es bien. Retourne là où t'étais. Va-haut. Oh. Voilà, génial. Quelle pile? Ok, la 4 reste à mid, gauche. Reste mid. La 4 à gauche, tu l'as fait monter de 2. Je peux pas toucher au truc de gauche, c'est que celle de droite. Ok, frérot. À droite, tu descends de 2 alors. Descends en bas là. Descends en bas maintenant. En bas. Mais mec, pourquoi t'es monté? Redis-moi la pile ce que je fais, s'il te plaît. 1.6 GHz. La pile, tu descends. Ah, y'a trop de trucs à faire. Et je descends quoi? Descends à droite, tu as 2 crans. Mais laquelle? À droite, la 2, tu l'as la 2. Putain. C'est bon là? Là, c'est bon. Ok, les trucs à réparer, s'il te plaît, pour la connexion. Les trucs à réparer, dis-moi vite. Transmit packet. T'as dit quoi? Transmit packet. Ok, c'est bon. Ferme-la! Base de données! Base de données, valeur la plus basse. Ok. Il y a tellement de trucs! J'adore! Ok, là on va vivre une situation de crise, frérot, faut qu'on garde notre calme. Ah ouais, là ça va être la crise. Traceur! Okay, j'ai une échelle avec 4 barres au milieu et chaque bout de l'échelle, il y a un petit rond dessus.
Les 4 okay, coins de l'échelle. 38. Traceur, il est où? Reste là où t'es, c'est bon. Reste là où t'es. 61 T ACC. Retourne mid maintenant. Retourne mid maintenant. 61 T ACC. Ta gueule, je l'ai fait bête. Traceur. Va au bas. Oh, en haut, en haut, en haut, en haut. Non, c'est. Non, reste là, c'est bien, ok. Mais ça, c'était en bas là où t'es. Combien d'hertz? 6.4. 14K ACC. Retourne mid, retourne. Voilà, c'est bien. Oh, les machines de guerre, frérot. Ok, va en haut, en haut, en haut, en haut. Non, t'es allé en bas, t'es allé en bas. C'est pas grave. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Reste mid, reste mid. Toi, t'es bête. On a tout baisé, frérot. Ok, t'es prêt? Ping. Vas-y. Je te dis, soit à l'affût. Clic. Je m'attendais à autre chose que clic, du coup, tu m'as surpris. T'inquiète, je te dirai ça maintenant. Non, il y a plus de maintenant, frérot, on a fini le jeu. On est invincible. C'est un jeu pour enfants, frérot. C'est un jeu pour enfants. Trop facile. Qu'est-ce que c'est que ce jeu pour enfants? Trop facile. Qui va gagner? J'ai gagné. Qui va gagner? Mettez une prédiction dans le chat. J'ai déjà gagné, MDR. J'ai déjà gagné. Mais t'es à 99, what the fuck? Mais en plus, t'as pris tous les bonus, t'es un chien. Qui va gagner? J'ai gagné. T'en as plus que moi, wesh. Mais arrête, espèce de ninja! C'est toi qui l'as pris là, mec, t'as pris un mauvais. Ah ouais? Ouais. Ah, faut lire? Mais oui, faut lire. En plus, je suis meilleur que toi, ce genre de jeu. Non. Si. Non. On se retrouve sur Ozu? Non. En tout cas, j'ai gagné. J'ai gagné, ça sert à quoi de se battre? J'ai gagné. Non! Mais. J'ai gagné! Mais ouais, mais tu commences avec 90 trucs d'avant. Non, on a gagné, t'es fou! Mais oui, parce que je joue mieux que toi, toi aussi tu peux prendre des trucs d'avance. Mais non, moi je peux juste cliquer. Mais je suis mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je suis sur un Rubik's Cube là, frérot, il faut que je marche. Donne-moi des cubes là devant moi là. Voilà. Attends. Vas-y. Non, à droite là, ici là. Oh, si bête. Vas-y encore. Non, de l'autre côté, vite. Oh, bête celui-là. Il est bête. Vas-y à droite là maintenant. Roule. Parfait. Ah, c'était comme ça tout à l'heure pour moi aussi? Ouais. Attends. Vas-y. À gauche ou à droite, je m'en bats les couilles. À gauche. Vas-y, nickel. Recule. Ok, réavance vite. Nickel. Non. Oui, moi, bah là. Ok. Tu dois aller où là? Là, tu vois le truc bleu. Bête quoi. Je peux pas sauter? Tu peux m'aider là? Mais t'es où là? Je te vois pas. Attends. Je suis en haut. Je te vois plus, mec. Tu vois des cubes là apparaître? Ouais, parfait. Vas-y, fais apparaître des cubes, je vais sauter dessus là. Bouge pas. Non, plus proche de moi. Vers là? Ouais, bouge plus. Ah, c'est bon, je te revois. Ok. Ok, je te revois plus, mec. Là, t'es là, t'es au bon endroit. Alors là, ce que tu viens de faire, c'est bien. C'est exactement le trajet qu'on va devoir faire. La diagonale. Ok. N'en fais pas trop parce que je vais devoir te sauter dessus. Non, fais-la plus à droite, ton trajet. Plus à droite? Genre plus, ouais. Vers là? Non. Bah où? Fais un trajet là, je peux rien voir. Non. En fait, t'es trop en... ok. Fais cette diagonale, fais-la. Attends, mais y'a rien là. Ça? Non. Là, tu vois la ligne, la dernière ligne? Tu fais juste une ligne là. Fais juste une ligne droite. Comme ça? Ouais, nickel, bouge plus. Fais une ligne droite. Fais-en une, juste une. Pas besoin d'en faire deux. Ok, supprime tout, Grenoble! Mais... Je fais quoi? Communique!
ligne. Une seule. Mais ça se supprime tout seul. Oui, je sais, c'est parce que t'as trop de cubes posés. Voilà, parfait. Bouge plus. Ok, tu vas faire une ligne comme ça jusqu'au truc vert. Attends, mais maintenant, go, maintenant, mets la ligne. Let's go. Voilà. Gros noobs. Putain, je suis encore là. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas, démerde-toi, fais un truc. Port 359. 359? Ouais. Jaune, vert, jaune. Alors, jaune, vert, jaune. Quoi? Dans chaque port, scannez les clés en fonction du timing défini par votre partenaire. Ah, faut que tu me dises le timing. Le timing jaune, vert, jaune. Et celui que je dois ouvrir en premier, gros, c'est celui qui est en haut à droite sur mon schéma. Donc va vers lui s'il te plaît, va vers le 1 que je attends, vois. En haut à droite, en haut à droite. Non, à l'opposé de là où t'es allé, de l'autre côté. Voilà, là pile, voilà, celui-là, c'est quoi s'il te plaît? Rose, jaune, rose. C'est quoi le timing? C'est quoi le timing? C'est quoi le timing? C'est quoi le timing? Je dois aller scanner en fonction du timing défini par toi. Rose, jaune, rose. C'est quoi le timing? Port 127. C'est quoi le timing? Attends, jaune, attends, rose. J'ai cliqué dessus. Ah voilà, c'est bon. C'est toi qui cliques là? 2, 3, 4, 1, 2, 3. Refais s'il te plaît, refais s'il te plaît. C'est toi qui définis le timing. Tu dois définir le timing en fait. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. C'est quoi les couleurs? C'est rose, jaune, rose? Mais touche à rien! Je vais te buter, je vais te buter. Là, je dois scanner les clés en fonction du timing que tu définis. Si tu me parles pas, je ne peux pas ouvrir le port. Okay. Là, je dois te dire un truc. Oui. Ok, t'es prêt? Oui. Maintenant. Nul. Ok, j'ai compris. Et c'est rose, jaune, rose. Rose, jaune, rose. Ok, quand tu dis maintenant, je clique une fois en fait. Vas-y. Oh merde. Clic. Nul, il est nul celui-là. Il non, est c'est nul. Bon, ça a marché. Je sais. Ok, le deuxième, vas-y. Va vers l'autre cube. Non, c'est pas celui-là. Ni celui d'après, c'est encore celui d'après. Hein? Là. Ah, celui-là? Ouais. C'est quoi 108, les couleurs? 108, vert, rose, bleu, bleu. Vert, rose, bleu, bleu. Ok, tu me dis. T'es prêt? Ouais. Clic. GG. Allez, c'est quoi le jeu pour enfants là? On peut avoir un vrai jeu s'il vous plaît? Il est fier de son timing. Les gars, le jeu est bien, c'est ouf. Ok, j'ai deux clés à trouver ici, mec. Avance à gauche, j'ai dit. Oh putain. Avance, voilà, bête. Ok, la première clé elle est là-bas. Ouais, là, à gauche. Vas-y, avance. Ah! Mais tu vas mourir, avance! Faut que t'ailles au fond, faut que t'ailles au bout, je la vois la clé moi. Oui, bah va à gauche, maintenant, à gauche. Gauche, allez, gauche! Gauche encore, gros nul! Mais c'est pas possible! Ok, j'ai compris. Je comprenais pas ce que tu me disais. Tu vois pas les trucs rouges. Bah oui, idiot, dis-moi. Gauche maintenant. Avance. T'es chaud? Ah, j'ai chaud, Miss là! Ok, tu me dis, on fait le même trajet pour rentrer ou pas? Non. Je vais là, du coup. Gauche, ouais. Ok. Attends. Maintenant, go! Bah vas-y. Refais, ok. Gauche, ma gauche. Vas-y, là, on y va. Très bien. GG, ok. Vas-y. Ça te va un truc comme ça? Ouais, vas-y, roule. Très bien. Attends, reviens en arrière, j'ai pas. Vas-y, roule, c'est gagné. Ok, on refait le même trajet ou pas? Non, vas-y, là, on roule devant moi, là. Voilà. Parfait. Droite, maintenant, vite. Très bien. On roule. Eh ouais, bon c'est pas... Attends, est-ce que j'ai quand même les deux clés? Moi j'ai quand même les deux clés. Ouais, c'est bon. Non, bah ouais, mais il faut quand même que tu sortes. Tu vas où comme ça? Allez! Vas-y, tout droit maintenant, vas-y, tout droit. Très bien. Oui, encore à gauche.
Oui, oui, allez. Allez, sors-moi de là, gros nul. Voilà. Oh, il est intelligent. T'es où là? Je sais pas, je te vois plus sur mon écran, t'es où? Alors, là je peux sauter dans le vide, c'est ce que je vais faire. Vas-y. Attends, dis-moi quand tu sautes, faut que j'ouvre le noyau. Ah! Bien joué, bien joué, bien joué. Ok. Vas-y, je prends lequel? Oh, putain. Vas-y, va vers l'un, je vais te guider. Ok, t'es sur un bon, t'es sur celui où fallait aller, frérot, incroyable. Ok, alors là, t'es pas prêt, frérot, là tu vas avoir mal à la tête. Quelle couleur, quelle couleur? C'est 277, le port, ok? Non, mais ça, je m'en fous, j'ai pas besoin. Quelle couleur? C'est vert, jaune, bleu, vert, bleu, vert. Bah, dis la couleur au moment où tu me dis vitamine, non? Je peux pas. Ok, vert, jaune, bleu, et c'est quoi après? Mec, souviens-toi de vert, jaune, bleu, je prends vert, bleu, bleu, vert, bleu, vert. Ok? Vert, jaune, bleu, vert, bleu, vert. Ok, vert, jaune, bleu, vert, bleu, vert, c'est bon, vas-y. Vas-y, si t'as un trou de mémoire, j'ai ouais, t'inquiète, allez, go. Maintenant. Clic. 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 Putain, mais t'as une bonne mémoire, hein, frérot. Moi, j'ai déjà tout oublié. Bah non, mais c'était concentré sur autre chose. Ok, maintenant, tu vas prendre le quatrième pilier en partant de celui-là sur ta droite. Celui-là? Non, celui d'après, celui d'après. Attends, vas-y, clique n'importe où, là, s'il te plaît. Merci. C'est pas celui-là, c'est celui qui était juste après. Non, mais j'ai chié. Ok. Ok, celui-là. 260. Ouais, celui-là, vas-y. Ok, mec, t'es prêt? Rose, jaune, vert, bleu. Ok. Et là, je vais prendre les 4 prochains, frérot. C'est bleu, vert, non. Jaune, rose. Rose, jaune, vert, bleu. Bleu, vert, jaune, rose. Non, c'est bon, t'inquiète, c'est facile. C'est ensemble. T'es sûr? Rose, jaune, vert, bleu. Bleu, vert, jaune, rose. C'est bon. Vas-y. Allez. Clic. 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 Clic, 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 clic. GG frérot. T'as quelle mémoire? Non, c'est un repère, c'est en cercle donc c'était facile. C'était un repère, tu sais, c'est easy. Quelle mémoire? Bon, sortez-nous d'ici là, c'est bon. Allez, sors de là, sortez-le. Serveur de Cypher. Ok, j'y cellule suis. Cellule d'alimentation, cellule d'alimentation 2. La 2, laquelle je prends? Attends, viens, je prends la première, cellule d'alimentation 1. Ok, elle est opérationnelle pour le moment. Cliquez pour activer. Ok, elle est désactivée. Vas-y, la 2. Désactive. Ouais, la 3. Ouais, la 4. Mais tu fais quelque chose là? Non, je lance je formate la prudence s'impose, effacer tous les logiciels du donné. Je clique? Ouais. En attente de votre partenaire. Ah ok, faut cliquer en même temps, t'es prêt? 1, 2, 3, clic. Let's go! Mais c'est quoi ce jeu pour bébé? Oh là là, mais on est où là? Donnez-nous un babysitter. Il est là, vachement satisfaisant, hein, le jeu, c'est un truc de ouf. Ouais. Hein. Il est hyper satisfaisant, mec. Hein. Il nous faut un babysitter là, c'est pas possible. Il est ultra satisfaisant, je suis choqué, mec. Attends, je vais pisser, je reviens. Ok. Les gars, il est trop bien le jeu, franchement, je vous invite à y jouer avec un frérot, une sœurette, un animal, peu importe, c'est vraiment cool. C'est vraiment satisfaisant, c'est vachement bien pensé, je trouve. Honnêtement, je kiffe grave. Mission 5. Let's go. Buenos Aires. Gros nul. Porter un coup dur à Cypher en neutralisant son serveur principal. Mais nous n'arrivons toujours pas à le localiser. Il reste que 2 missions apparemment. Pour y parvenir, ah ouais, nous devons ouais. Ça aurait été cool un petit jeu en coop, tu vois, à la Sniper Elite là, ou des trucs comme ça. Ouais, c'est vrai, c'était marrant. Dans les passes. Nous n'avons donc pas d'autre choix que bien d'entrer sûr, en par effraction dans leur agence fédérale de renseignement. Évidemment, la salle d'épreuve est très sécurisée et située dans les sous-sols. Accéder à cette salle et récupérer les effets personnels de Cypher. Mais d'abord, vous devez incarner un agent d'entretien. Ah, c'est toi, regarde, t'es un agent d'entretien. Bon courage. Bon courage. Bon courage, frérot, agent d'entretien. Maintenant, bon courage. Le réseau ok. Faites entrer votre... Alors, je pense que c'est. Ok, alors, n'oublie pas, faut qu'on communique. Waouh, il y a plein de menus. J'ai accès au planning système des agents d'entretien. T'as le choix entre Fernando Mata, Lydia Gabriela. Entre 7h et 13h, Bruno Roscio. Donc je pense que l'Hydra Gabriela, c'est bien. Attends, je check, je fais un peu le tour de ce à quoi j'ai accès. Service d'entretien, liste des agents d'entretien. Bouge pas, j'arrive. Mais attends, il est quelle heure là? Tu me dis, c'est qui qu'il te faut? Lydia Gabriela?
Je dirais ouais. C'est bon, je te l'ai envoyé. Faut que tu me confirmes. Ok, c'est good. Comment je suis trop chaud. Ça c'est fait. Point d'accès. Ça doit être le scanner d'entrée. Ouais, je suis en train de te le donner là. C'est quoi l'adresse IP? Ok, j'accepte. Let's go. Oh là là, non, sans se parler, on fait ce qu'il faut. On est connecté. Ok, ah, allez, on y va. Sans se parler, on fait un perfect. On fait un perfect. Mais tu es bête quoi? Mais tu es trop pressé. Tu es trop pressé, mon enfant. Mais c'est surtout que t'es bête. Regarde comment je suis plus rapide que toi. Mais arrête! Mais frère, arrête! Mais t'es stupide! Oh, regarde, c'est toi ça. Je ne peux pas monter, mec. C'est toi l'erreur. Tu vois pas? Non, c'est toi qui allais trop à droite, arrête d'être de mauvaise foi. C'est toi qui va trop vite. Regarde. Mais c'est toi qui allais à fond à droite. Tu vas trop vite. Qu'est-ce que t'es bête, c'est pauvre quand même petit garçon. Mais qu'est-ce que t'es nul. Vraiment, ça bouge à droite, pourquoi tu... Oh, mais qu'est-ce que t'es nul. Alors là, c'est que toi. Roule. Mais qu'est-ce qu'il est bête. Ouais, tu vois, quand tu joues bien, ça se passe bien. Tu vois? Ah frérot, zéro effort. Aïe. Mais tu fais exprès, c'est pas possible. Mais laisse le truc passer, vas-y go. Ah mais t'es bête. Eh vraiment, eh, l'effort il est où là? Non. Oh, t'as l'air fatigué. Toi t'es fatigué. Tu radotes frérot, qu'est-ce que t'es tu radotes? T'es fatigué frérot. Allez va à droite. Descends. T'es fatigué. Voilà, let's go. Allez. Allez, le dernier. Ça va être compliqué là. Alors là, frérot. Ah oui, c'est bien ça. Oui. T'as intérêt à bouger, mec, bouge. Voilà, enfin, tu vois, quand putain. Tu joues bien, putain, quand tu joues bien. J'ai gagné. Quand tu joues bien, putain. 729, 112, 126, 150. Je répéterai pas. Mais non, mon clavier bug. 729, c'est quoi? 112, 122? Redis, mon clavier, les chiffres de mon clavier bug, je te jure. 729 quoi? 5 subs. 729 quoi? Il faut que tu m'offres 5 subs. C'est bloqué là. 729 quoi, s'il te plaît? Il y a un bug. Un sub. Putain, mon clavier, ça me saoule. Allez, dis-moi, 729, 112, 126, 150. Putain. Vous n'avez pas de travail prévu pour le moment. Ok, c'est alors bon, attends, c'est bon, c'est que... bon, allez, c'est bon, c'est entré, je te vois. Allez, vas-y, va devant, non, va devant. Non, Lydia Gabriella, c'est pas bon. Il faut que tu me prennes Paulina Aguayo. Tu t'es trompé là? Donc ce que t'es en train de me dire, c'est que tu t'es gouré comme un noob. Mais j'en sais rien, moi, je sais pas quelle heure il est. Paulina Aguayo? Ouais. Ah, il est 13h25. C'est pour ça, on a mis trop de temps, frérot. Ok, Paulina Aguayo, tiens, je t'ai envoyé le transfert. Merci. De rien. Ah mais attends, j'ai les deux. C'est bon? Ouais, c'est bon là. Ok, vas-y, je vais t'ouvrir la porte. Détendez-vous et restez immobile. C'est bon, je lance le scan. Vas-y. Voilà. Merci mec. Pourquoi ça a pas marché? Qui je dois prendre comme agent là? T'es relou. C'est bon, ça a marché, vas-y roule. Quel agent je t'envoie? Scan! J'arrive. Fais ton taf! Trouvez le plan de l'étage et aidez votre partenaire à désactiver les lasers et l'hélice bloquant l'accès à la ventilation. Alors, le plan de l'étage. Le plan de l'étage. Système de ventilation, let's go. Carte. Mec, là, elle est compliquée la mission, c'est un bordel. Hein. Système laser débloqué, 4 chiffres. Je t'ai transféré un truc. Tu m'as transféré la carte du bâtiment, merci. Donc là, il y a une grille, il y a un conduit de ventilation, ok. Laser du puits de ventilation actif. Ventilateur du puits de ventilation actif. Panneau de stabilisation.
Alors ? Oh mon dieu, mec, jeu d'ingénieur. Alors ? Panneau de stabilisation, tu peux m'aider ? Accélérateur à particules, hydrogène liquide, ajouter une goutte, conduit d'oxygène, connecteur. Panneau de stabilisation, de chute dessus. Je fais quoi ? Je sais pas, et qu'est-ce que je dois faire ? Moi je peux changer des trucs, genre contrôle des chocs, activateur d'explosion, statut de la neutralisation, chargeur d'énergie, je fais quoi ? Rien, on a perdu. Alors attends. Je regarde d'ailleurs. Tu vois ma minimap moi ? Non, je vois rien. Faut juste que tu me donnes le mode thermique. J'ai des robots frérot et je peux les faire fonctionner, je... Ok mais c'est panneau... sûr. Faut que j'aille dans panneau de stabilisation, rien à voir du coup frérot. Non, rien à voir. Ok, robot de nettoyage, je peux aller aussi dans une option robot de nettoyage, là, je vois les... Outils de maintenance, attends, outils de maintenance. Télécharger. Sans ça, on peut pas savoir ce qu'on fait. Poutrelle sur rail, E barrière. Je fais quoi là ? Mais je sais pas, tu me dis rien frérot. Mais j'en sais rien, moi je suis en train de bouger des poutres. Tu me gonfles. Ah, tu peux... Prends le contrôle d'un robot, Grenoub. Ok. Robot de nettoyage, vas-y. Et après... Il y a tellement d'options, mec. Rentre dans le robot, Grenoub. Ok, j'en ai un, je fais quoi ? Il faut que tu rentres dans un truc... Je suis dans un robot, je vais où ? Tu vas au chi ou pas ? Non, je sais pas où t'es. Si bête. Ah, mais attends, je sais, j'avais une map. Tu viens de là où je suis ? Ok, attends. C'est toi ça ? Ouais, c'est moi. Vas-y, viens. Je peux pas monter. je peux que aller vers là en fait. Regarde-moi. On fait quoi ? Je vais où ? J'en sais rien, il faut que tu te démerdes pour arriver là-bas là. Là où je vais là. Pour arriver où ? T'as la carte en plus, c'est écrit en jaune où tu vas. Si but. La prochaine fois. T'es aux commandes du ventilateur. Ok, attends, j'essaie de trouver. Là, il y a d'autres robots. Là, il y a si. Non, c'est pas ça, ok. Si bête celui-là. C'est pas ça, ça peut pas être ça. C'est pas ça. Donc, je dois faire quoi, s'il te plaît ? Attends, je regarde si j'ai pas un truc pour toi. Là, en gros, moi, tout ce que je veux faire, c'est prendre contrôle d'un robot. Il faut que t'ailles vers les gens là qui marchent. Ok, et une fois que je suis là où il y a les gens qui marchent. T'y es ? Je pouvais. Tu veux que j'y retourne ? Vas-y. Ok. Ouais, c'est ça. Ok. Vas-y, dès que je te vois, je te dis. Ok. Je suis avec les gens qui marchent. Vas-y, là, continue tout droit. Tout droit. Et t'as une flèche. Ok, je vois. À droite. Va à la flèche, mais n'avance pas. Il y a une grille. Je peux pas avancer. Si. Attends, je vais te l'ouvrir. Ah ouais ? Je t'aime. Oui, je vais t'ouvrir la grille et il y a des lasers dedans. Si t'avances comme un noob, je te fume. Je sais. Allez, vas-y, ouvre. Si t'avances comme un noob, je te fume. Ouais, ouvre. Libère-moi. Merci. Vas-y, avance. Est-ce que t'as... Non ! Qu'est-ce que tu fais là ? Bah j'avance. Attends. Là. Moi, si nul, si bête. Trouvez le plan d'étage et aidez votre partenaire à désactiver les lasers et l'hélice. Il faut que tu fasses le chemin ? Non, c'est bon, je suis devant. Vas-y. On peut changer la catégorie de jeu, les gars. C'est bon, t'as bougé les lasers. Vas-y, rebouge les lasers d'après. Ouais, encore. Ouais, encore. Tu es long. Vas-y, tu sais quoi, je reste avancé. Tu es long. T'as pas intérêt à tomber dans le vide, mon frérot. Vas-y, t'as pas besoin de moi là, normalement. Tu es long. Show max, ça. Et je fais quoi là, je tombe dans le vide ? Bah j'en sais rien frérot, attends là. Tu fais quoi là ? Bah je sais pas, dis-moi, je fais quoi là ? Oh, j'ai une idée. Tu vas passer, ça va pas te plaire. Ok. Reviens en arrière là. Mais non, attends, y'a un truc à faire avec le ventilo je pense, non ? Reviens en arrière. Mec, là on va devoir tout refaire, je te dis tout de suite. Pourquoi ? Okay. Va au centre de ce cube là, voilà. Centre-toi. Et là... Non, centre-toi. Centre-toi bien sur le cube. Voilà, nickel. Maintenant, là, parfait.
Tu me vois là? Tu me vois pas moi? Ouais, je vois tes pieds, juste tes pieds. Ok. Eh bien, tu vas avancer vers moi, mec. Un petit peu vers là. Ouais. Oula, tu vas. Là? Tu vas où? Tu vas où? Non. Là? Ouais, là, nickel, avance. Avance. Bien joué. Mais le système. Okay. Oh, beau gosse. Rapidement au panneau stabilisateur pour éviter de déclencher l'alarme. Vite. Non. Trouvez le plan d'étage et aidez votre partenaire. Tâche en attente, panneau de stabilisation, mais je sais pas où c'est, mec. L'accès au puits de ventilation. C'est où la tâche? Comment je vais à la tâche en attente? J'y vais. C'est le premier truc qu'on a fait, non? J'y vais. C'est moi. C'était le premier truc qu'on avait fait, je rappelle. Ou t'es bête? Le panneau de stabilisation. C'est bon, j'y suis. Je sais pas comment y aller. Je panneau de stabilisation, tu y étais tout à l'heure. Tu es sûr? J'active. Ouais, c'est bon, j'y suis. Vas-y. Ok, je fais quoi? Je mets quoi? Active. Active ou je te bute? 3 opérations échouées. Ok, étape stabilisation. Régler le conduit d'oxygène sur bas. Oxygène sur bas? Ouais, s'il te plaît. Ça y est. Il y en a 10, mec, c'est long. Waouh. Régler le contrôle des chocs sur hydraulique. C'est fait. Sélectionner 9 sur le moteur éolien. 9 sur le moteur éolien. Remplir le chargeur d'énergie. 9 sur c'est le toi, non moteur ouais. éolien. Non, c'est toi. C'est toi. J'ai pas. Régler les contrôles de choc de pneumatique. Décocher la valve T3. Ok. Régler le contrôle des chocs sur pneumatique maintenant. C'est fait. Ajouter une goutte à l'hydrogénérateur liquide. Régler le facteur de densité sur 2. C'est à moi. C'est toi ça. Régler le conduit d'oxygène sur moyen. C'est moi ou c'est toi ça? C'est toi. Non, c'est toi. C'est toi. Conduit d'oxygène non, sur toi. Moyen, c'est toi. Moyen. Voilà. Appuyez sur cercle. C'est fait. On est monstrueux. Stabilisation mec. Réussie, mais on est monstrueux. On est monstrueux, mec. Si bête. Bête. T'es bête ou quoi? T'es bête ou toi? Ok. T'es bête, hein, pour ce jeu. C'est quoi la suite du coup? Je reprends un autre robot? Je sais pas, j'ai pas lu. Moi non plus. Ok, attends. C'est toi le robot là? Ouais, c'est moi. Ouais. Il saute dans le vide. Où? Attends, là. Je peux pas monter les marches. Système laser. Mec, trouve-moi ce mot de passe là en passant par là. Vas-y. Allez là, passe là. Désactiver le laser et le ventilateur bloquant la gaine de ventilation. Comment on désactive le laser? Marche, avance, marche. Attends, conduire sur voilà. Part, robot nettoyage. Voilà, marche. Marche, stop, marche. Par là. Nat, par là Nat. Marche. C'est pas à moi que tu parles hein, si jamais hein. Je sais pas où t'es. Squeezie, marche. Oui. Je vais où frérot là? Faut que je désactive mais les lasers. Mais par là, gros nul. Hein? Par là. Mais marche. Là. Allez, marche là. Ok, ensuite. Cherche grenouille, cherche. Je trouve rien. Cherche grenouille. Y'a rien, idiot. Putain, quel noob. Là on a désactivé le truc d'aération. Et maintenant faut désactiver le laser. Comment on désactive le laser, idiot? Ah, je suis aveugle. Ah, marche. Voilà, là-dedans, là. Fais un truc. Donne-moi un système, donne-moi un code. Ah, un code Akashi. 2957. Mais quel noob, putain. Ah, je suis nul. Je suis désolé. 2957, tu l'as eu? Ok, bien joué. Bisous, à tout à l'heure, bébé. Là, j'ai besoin d'aide, là. C'est quoi? J'ai un piège devant moi. Bon, allez, c'est bon. Ok, il y a des lasers devant moi, frérot. Il y a des bornes de lasers et il faut pas. Ah, c'est bon, ouais, j'ai accès. Hold des lasers. En mode Indiana Jones, j'avance où? Alors attends. Attends. Qu'on mette ça tout de suite au clair. Là, je sais pas si tu me vois, mais. La à gauche, quatrième c'est... en partant de la gauche. Non. Quatrième en partant la de la gauche. Quatrième en partant de la gauche. Écoute. La 1, c'est la colonne gauche. 2, colonne droite. Ok, colonne 2. Quatrième en partant 3. De la gauche. Okay. Vas-y, ok, avance de 2.
Encore. Quand tu dis avance de 2, tu comptes la première ou pas? Non, je compte pas la, je compte pas la première. Avance, compte voilà. La première. Voilà. Non, je compterai jamais la première. Ça, c'est compte toi, c'est première. Idiot. Non, avance de 3. Oui, mais il fallait la compter la première. Avance au, de 3 là, vers là où tu regardes. Vas-y. 1, 2, 3. Voilà. Ok. Avance de 3 vers là où tu regardes. Ok. Avance de 5 là où tu regardes. Ok. Avance de 3 là où tu regardes. Ok. Il est trop fort, il se tourne bien. Avance de 3 là où tu regardes. Il est trop fort. Avance de 4 là où tu regardes. C'est fini, bien joué. Il est trop fort, je suis choqué. Il me faut une empreinte digitale, donne-moi ton empreinte. Eh oh, oh les mains. Une empreinte digitale. Ok, tiens, je te la donne. Merci. Je vais t'aider à crocheter. Ok, clé, secure, pin, non, non, putain. Tracker, oh, putain, pin. Putain, oh non, pas ça. Oh putain, oh, putain. Bouge l'autre, bouge l'autre, bouge l'autre. Waouh, waouh, waouh. Faut que tu lèves celui tout à droite, faut que tu lèves celui tout à droite, sinon je pourrais pas. Non, viens, on commence à droite là, non? Lève celui tout à droite, lève celui tout à droite. Mais t'es bête? Ou commence t'es bête par lever celui tout à droite, voilà, ça on va le bloquer là, relâche, voilà. Putain d'idiot. Pardon, pardon, c'est moi. Baisse l'autre, baisse l'autre, baisse l'autre. Roule, 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 tue-toi. Je suis désolé de m'être énervé, mais là je comprenais pas ce que tu me faisais. Je comprenais pas. Roule, grenouille. Regarde, vas-y, lève, lève. Lève. Mais je lève, on meurt. Lève celui de droite. Mais t'es trop bête, t'as pas compris, la trop bête, touche, j'avais pas vu. Vas-y, vas-y, retourne, retourne, excuse-moi, excuse-moi. Ok. Ouais. Vas-y, passe, passe, il faut que tu le maintiennes. Oh, ah, ok, merde. Les deux, ils éliminent, les deux, ils éliminent. Oui, oui, okay, oui, oui. Ok, attends, allez, vas-y, attends, maintiens, attends. Vas-y. Maintiens, t'as le temps, t'as le temps. Vas-y, récupère. Grenouille. Mais attends, comment je vais faire? Allez, attends, mais tu comment je fais de la macro-gestion? Joue à StarCraft un peu. Et tu fais de la macro-gestion, ouais, espèce de allez, geek. Fais un peu de macro-gestion. Et fais de la macro-gestion, fais ta qu'à faire de la nano-gestion. Allez, vas-y. Allez, va all-in là, c'est bon, on s'en fout. Va all-in. Ok, bien, bien vu. Ok, vas-y. Ça va être chaud celui-là. Et tu fais de la nano-gestion. Ok. Attends, quoi? Ah, ça lance les deux en même temps. Trop facile. Pourquoi y'a ça? C'est un bait. Ah non, c'est pour aller là. Ah non. Non, non, c'est pas équilibré, regarde. Ouais, vas-y. Non, roule. C'est pas ça, c'est quand tu passes. Roule maintenant, roule maintenant. Ça marche pas. Attends. Je sais pas pourquoi. Attends. Pas pourquoi ça. Vas-y, avance. Stop. Stabilise, putain. Ah, mais tu bouges pas. Mais non, mais fais des pauses, t'es relou. Arrête. Vas-y, stop. Ça va pas faire. Mais arrête d'aller au bout. Stabilise-le, mais putain. Oh, j'essaye, j'essaye. Arrête de chialer. C'est mort, c'est mort, c'est mort. C'est mort. Elle est trop con. Attends, attends. Vas-y, avance. Allez, on essaye ça là. Attends, ouais. Mais pourquoi il y a ça? Attends, tu peux pas le bloquer mon truc? Maintiens-le, moi. Maintiens. Mais je, frérot, je comprends pas. Attends, attends, on est trop con. Attends, quoi? Je te jure, regarde même pas le chat. Regarde même pas le chat. On réussit ça tous les deux. Ah si, regarde, mec, ça les décale. Ok, c'est allez, ce que je t'avais bon. Dit au début. Mais t'es si bête. C'est ce que je t'avais dit au début. Mais t'es si bête. Je veux plus de cette épreuve. Je veux un jeu avec eux. C'est... Ah vite, le panneau de stabilisation, vite. Je suis dedans, et toi? Attends mec, j'ai dû refaire tous les trucs de laser. Allez, le panneau de stabilisation, vite. Vite. Le clear. Ça va, j'ai 40 secondes, j'ai le temps de me faire un café. Vite. Vite. J'arrive. Où es-tu? Je ne te vois plus. Ok, vas-y. Ok, passez l'activateur d'explosion sur 5 off. 5 sur le moteur éolien. Répète. Off, off sur l'activateur d'explosion. Accélérateur à particules. Ah, ça, c'était moi, c'était moi, c'était moi, c'est bon, pardon, c'était moi, excuse-moi. Définir le statut de neutralisation sur alerte. Passez l'accélérateur de particules sur off. Vas-y, c'est bon. Brancher le connecteur rouge. Sur haut.
C'est quoi la direction de flux sur U? C'est toi. Répète-moi. Brancher le connecteur rouge. Régler le tensiomètre de vitesse sur 1. Mec, oh, fallait que tu fasses oh, direction du flux. Merde, c'est moi. Régler le tensiomètre de... tensiomètre sur 1, allez, enchaîne là. Remplir la chargeur d'énergie. Répète. Tensiomètre de vitesse sur 1. Mais mec, mais t'es un... T'es c'était débile. C'était toi, gros nul. Mais c'était toi. Appuyez sur réinitialisation de la carte. Il est nul. Ajoutez 3 gouttes à l'hydrogénérateur. 1, 2, 3, vas-y. Il est nul. Fais que des c'est erreurs. C'est toi, mec. C'est réglé le facteur sur opérateur de surcharge. Ok, densité sur 3. Facteur de densité sur 3. Tout de suite, monsieur. Définir le statut de la neutralisation sur ligne de base. Ajouter 2 gouttes à l'hydrogénérateur liquide. Régler la direction du flux sur bas. Régler le tensiomètre de vitesse sur 89. 89. C'est bon. Remplir le chargeur d'énergie. Putain, on est trop chaud. On est trop fort, mais tu t'es trompé que 4 fois. Bien joué, frérot. Heureusement que je suis là. Allez, rentre dans ton robot là. Marche. Faut que j'aille dans mon robot? Faut que je fasse quoi là? Non. Je suis en train de descendre en rappel à James Bond. Ah, c'est bon. Nouveau réseau, puis principal. Let's go. Faut que tu coupes. Eh mec, j'ai un chalumeau. Ok. Mais qu'est-ce que tu fais en apesanteur là? Ah, pour ok. Les travaux. Ah, attends, regarde. Je peux te décaler, ramène regarde. Ramène ça, grenouille. Je te décale. Eh, parle mieux tout de suite. Parle mieux tout de suite, je te le dis direct. J'ai chaud. Allez, vas-y. T'as chaud, mec. J'ai chaud, je vais crever. Ah, c'est bon, c'est moi qui te maintiens en vie. Ah ouais? Allez, répare ce truc de merde, là. Je sais pas comment faire, retirer le couvercle. C'est bon, c'est moi, je l'ai fait. Ah merde. Nul! C'est ma faute. Allez, on y retourne. Non, c'est ma faute, là. C'est ma faute. Vas-y, donne le truc, non? Allez là, pète les trucs. J'ai chaud. T'en as limité les trucs, bon, on va dire? Non, ouais. Attends, tu vas où là? Attends, tu vas te prendre les grilles. Tourne-toi. Bah ouais, c'est à toi de me descendre. Je ne peux pas te descendre, idiot. Voilà, c'est toi qui tourne. Allez, vas-y, descends. Descends, idiot, remonte. Là, je vais là? Ouais. Voilà, continue. Là, je vais t'amener là-bas. Mets-toi dans l'autre sens, tourne-toi dans l'autre sens. Voilà, waouh. Mais c'est incroyable. Incroyable. C'est toi, tu fais quelque chose là? Ouais, moi je fais gauche-droite. Regarde, gauche, ah, c'est pour droite, ça. Gauche, c'est pour droite. Ça. Aide-moi, je vais me faire écraser, aide-moi. Monte. Mais c'est toi qui gères la hauteur. Mais c'est si bête. Je ne peux pas gérer la hauteur. Tu peux monter, descendre et là tu montes pas. Que... Vas-y là, gauche-droite. Esquive, mais mec, tu connais. Que tu fais? Je vais te démonter, frérot, je te le dis. Mais qu'est-ce que. En Diago, mets-toi en Diago. Voilà, mets-toi en Diago. D'être bête. On est mort là. Mets-toi droit. Aide-moi. Mais c'est bon, je t'aide, je te mets au bon endroit. Allez, avance là. Avance. C'est toi qui retire la plaque là? Je sais pas. Je. Putain, t'es vraiment t'es nul à chier. T'as coupé de travers c'est une barre. C'était marqué. Tu pues la merde. C'est un truc de fou comment t'es nul. Mais dégage ça de ma vue. Allez, coupe une barre. Mais je peux pas couper, mec, si tu me la donnes pas. Coupe les barres là où c'est rouge, idiot. Justement, faut pas couper quand c'est rouge. Eh, hey, déplace-moi. L'autre côté. Merci. Mais non, il fallait que je te dise là où c'est rouge. Ah ouais? Ouais, faut que je te dise. Ok, là où t'étais du coup, souviens-toi, elle est coupée, c'est bon. Celle au-dessus, faut que tu la coupes le plus à gauche de... Non, remets-toi la tête à l'endroit. Je peux pas, frérot. Vas-y, là, je fais quoi là? La barre au-dessus de celle que t'as coupée, tu la coupes tout en haut là par rapport à toi. Tout en haut par rapport à toi. Monte-moi. Je peux pas te monter, c'est toi qui règle la hauteur. Si, c'est toi qui me monte. Non, moi je te fais gauche-droite. Tout en haut, tu dis? Non, pas celle-là. Celle avant, au-dessus, celle l'autre. Voilà, celle-là, tu la niques tout en haut. Voilà, exactement. Parfait, ok.
Celle d'après, celle que t'as niquée avant, du coup, il faut que tu la défonces tout à ta gauche. Non, pas... Ouais, celle-là, tu peux où tu veux. Celle-là, tu peux où tu veux, vas-y. Ok, la prochaine, c'est tout à ta gauche. Monte-moi, voilà. Monte-moi. Je peux pas te si, regarde, monter. Tu peux monter. Je te déplace latéralement. Tout à gauche, l'autre. Ouais, tout à gauche, ouais. Voilà, l'autre, c'est tout à droite. Tout à droite, voilà. L'autre, peu importe. L'autre, peu importe. Voilà, attends, attends deux secondes. J'ai chaud. Ok. Ok, elle, c'est... Elle, c'est tout en haut de la barre. Monte-moi. Ok, vas-y, c'est mais où attends, ça sur ta gauche, le plus sur ta gauche possible. Le plus sur ta gauche possible. Mais c'était sur ta problème. Droite, c'était sur ta droite, c'était sur ta t'as droite. Un problème, hein. T'as un problème. Mais frérot, tu fais que tourner sur toi-même. Ça change le sens de mes explications. Voilà, là, arrête de bouger, espèce de gros trou de balle. Là, c'est à ta gauche. Mais t'es bête. En fait, si tu me donnes pas le truc, à ta gauche, donne-moi le truc. Voilà, au-dessus à ta gauche. Au-dessus, peu importe. Au-dessus à ta droite. Je peux pas. Aide-moi. Je peux pas. Je peux pas. Aide-moi. Je fais ce que je... Non, bouge-moi un peu là. Non. C'est bon, voilà, vas-y. Vas-y. Ouais. Ouais. Descends-moi. Je ne te descends pas. Je contrôle que la gauche et la droite. Quand est-ce que tu comprends ça? Fais un truc. Y'a rien à faire, t'es en limite, je peux enfin... je te vois pas. Enfin. De faire travailler ces ménages. Ensemble, je pirate quelque chose là. Code d'accès 6604. Salle de pièce à conviction, ok. Attends. 6604. Salle de pièce à conviction 6604. Salle de pièce à conviction 6604. Prise de vue vidéo, objet saisi ou code des crimes. Que fais-je Base de données de pièces de conviction, prise de vidéo, index de référence suspect. Base de données des pièces, prise de vue vidéo, index de référence suspect. J'ai cliqué sur vidéo, frérot. Pareil. Je vois Cypher. Charger identité une vidéo. Suspect Cypher. Login du téléphone de Cypher 5763. Cypher, vrai nom connu. Identité Cypher. Cypher, login du téléphone 5763. 47 33 01 On sent pas les chiffres. Dans tous les sens. 57 47 33 01 84. Merde-toi, connard. 57 63. Démerde-toi, connard. 47 33 01 84. 47 33 01 84. Attends. Je l'ai. 47 Allez. 33 03 quoi 84 84. C'est bon? Attends. Ok, je l'ai. Arme de poing, index de référence AK-884, stockage d'objets, casier 42. Attends, index de référence AK-884, casier 42, okay. Objet saisi, arme de poing. AK-884, c'est l'Enesma, 9 novembre 2035, fraude à la carte de crédit. Ok, attends. Fraude à la carte de crédit, quoi? Redis. L'Edesma, AK-884. C'est l'Edesma, 9 novembre 2035, fraude à la carte c'est de crédit. C'est quoi le code du crime, s'il te plaît? Comment il s'appelait déjà? Fraude à la... fraude à la carte de crédit, t'as dit? Attends, ouais. Attends, je le retrouve. Comment il s'appelait, le mec? Tu l'as? Cypher. Non. Je l'ai, fraude à la carte de crédit. BSF. C'est BSF, fraude à la carte de crédit. BSF. 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 Attends. BSF. BSF.
On a perdu. Non. Index de référence AK-884, t'es sûr? Oui, c'est ça. Tu m'as dit que c'était quel casier, frérot? Tu me casses les pieds, mec. Casier quoi? Casier 42. Okay, arme de poing. BSF. Casier 42, arme de poing, BSF. T'es enrhumé? Ouais, je suis fatigué. Je deviens enrhumé quand je suis fatigué. Ok, j'ai l'arme devant moi. Très bien. Arme de poing. Oui, c'est bien ça. Bien joué. Si vous ne savez pas comment procéder, n'hésitez pas à consulter. Je l'active là, ça te fait quelque chose? L'arme de poing? Ouais. Que dalle. Et donc? Non, ça, regarde pas les indices. Non, mais qu'est-ce ça que fait... tu vas me donner là? Donne-moi quelque chose. Mais je sais pas, là regarde mec, tu m'as donné un numéro. Grâce à ça, je t'ai trouvé un truc de casier, un index de référence. Ok, ensuite quand je t'ai donné ça, t'as réussi à me donner le truc de la fraude. Non, tu m'as rien, ça m'a rien donné. La fraude à la carte de crédit, je te dis que le codex des crimes, du coup, c'est BSF. Non, donc non, c'est... non, d'abord, attends. Parce que d'abord, c'est casier 42. Oui. Et moi, le casier 42, il m'a rien donné du tout, frérot. Pourtant, c'est le casier 42, c'est bien c'est le numéro de... La prise de vue vidéo, là, 47-33-01-84, ça te donnait quoi? Ça me donne une liste des objets saisis et correspondant à ce numéro, il y a la référence AK-884 dans le casier 42 et l'objet saisi, c'est une arme de poing. Ok, et moi, le AK-884, ça me donne les DESMA. C'est quoi les DESMA? C'est l'inspecteur. La date, c'est le 9 novembre 2035. Et le type de crime, c'est fraude à la carte de crédit. Ok, et grâce à fraude à la carte de crédit, dans le codex des crimes, en gros, il y a des noms d'infractions reliés oui, à dis-moi, trois dis-moi. Lettres. Et les trois lettres reliées à la fraude à la carte de crédit, c'est BSF. Ok, sauf que BSF, moi, j'ai Fabricio Toledo, Hernan Soto. Attends, j'ai arme de poing là. J'ai arme de poing, c'est Thomas Morales. Thomas Morales? Ouais. En BSF et arme de poing, frérot. Mais qu'est-ce que je fais avec Thomas Morales? J'en ai rien à foutre. Tu te démerdes, frérot. Tu te démerdes, tu m'entends? Thomas Morales? Ouais. Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu te démerdes. Utilise la base de données pour déverrouiller le smartphone de Cypher. Ok, vas-y. Je tente un truc. C'est quoi le code? C'est quoi le code? Ah bah voilà, tu vois, c'est là, c'est ton côté que ça a bugué. Le code c'est... Tu es nul et bête. Vas-y, c'est quoi le code? Le code c'est... 5763. Code invalide. Ça, c'est 5763 le smartphone, je te le dis. Ok, attends, j'essaye tous les smartphones que j'ai. J'essaye tous les smartphones de la pièce. Y'a rien d'autre à faire, frérot. Allez. Bah ouais, mais j'ai pas le numéro du casier, frérot. Je l'ai pas. Il y a des smartphones dans tous les casiers. F, BSF, casier 42. 57 quoi? BSF, casier 42. Le code 5763, bordel. Si bête celui-là, putain. Les gars, ils me donnent pas les informations, je peux rien faire. Mais je t'ai tout donné, casier 42, j'ai trou un du vieux cul. Gun pourri dans le casier 42. Mais le y'a gun rien. Pourri, il correspond à ton numéro de série 47-33-01-84. T'es giga bête en fait, c'est ça ton problème. C'est toi qui es bête, ce numéro de série tu l'as trouvé où? Sur une vidéo. Ok. T'as pas regardé la vidéo toi de ton côté? J'ai pas la même vidéo que toi. T'as merci quoi la vidéo pour les 5 subs. J'ai une vidéo qui dévoile juste le numéro du téléphone de Cypher et c'est 5763. Dans ta vidéo, t'es sûr que c'est le bon numéro de série là que t'as tiré? Bah mec, sauf si tu t'es chié dessus frérot. C'est 47-33-01-84. Ok, donc l'index ça me donne casier 42, index de référence AK-884, objet saisi, arme de poing. C'est de ton côté que ça bloque frérot.
Je te le dis. J'avoue. C'est de ton côté. T'inquiète pas que ça va débloquer très vite. T'as regardé les indices. De quoi? Non, non, t'as pas regardé les indices. J'ai pas regardé les indices, je suis en train de spammer tous les smartphones, frérot. Et crois-moi, ça va marcher. Parce que t'es pas foutu de me donner avec les informations que je t'ai données. Tu me donnes un vieux casier pourri avec un gun dedans. Je peux même pas attacher avec un gun. Mais ce serait pas ma faute si ton numéro il correspond à ce casier. J'ai abandonné sur le fait, c'est bon, il est bête, j'abandonne. Fais le 42. Tu me casses les couilles. Y'a rien dans le 42, y'a un gun de merde et je peux juste le regarder. Alors ton numéro il est pas bon. Mais si, il est bon. Mais putain, y'a quoi d'autre? Donc quand t'es dans ce casier, y'a quoi d'autre? À part l'âme de poing, y'a quoi d'autre? Ça, normalement ça te donnait une infraction. L'infraction point, tu l'obtenais tout. Fraude à la carte de crédit et tu l'avais dans quoi? Donc là tu me dis AK-884, d'accord? Est-ce qu'on est d'accord, oui ou merde? Oui. Oui, oui, oui. Et moi, je te dis 9 novembre 2035, fraude à la carte de crédit. Le bordel s'appelle l'EDESMA, d'accord? Mais fraude à la carte de crédit, c'est je te réponds BSF. À cette fraude à la carte de crédit, je te donne le code de crime associé. Ok, et c'est bah le donne-moi le casier de Thomas Morales en BSF, arme de poing, téléphone, fauteuil 3. Je n'ai pas le nom. Des allez, mecs à, bon, qui sont associés. Je retourne spammer. Mais non, avec BSF, tu peux rien faire. Je peux rien faire. Si, je peux te donner le nom de ce mec-là, mais bon, ça n'a pas l'air de te plaire. Et attends, le tout premier numéro de série, c'est bien 47-33-01-84. Attends, je regarde. C'est bien ça que tu vois dans ta vidéo. 47-33-01-84. Très bien. À ça, je te donne l'index de référence. C'est AK-884, casier 42. Et l'objet saisi, une arme de poing. Je m'en bats les couilles du casier. Avec ça, t'arrives à trouver une arme de poing. Et tu arrives à trouver un truc dans lequel l'infraction, c'est une fraude à la carte de crédit. C'est bien ça. Non, l'arme de poing me sert à rien. Ou comment tu me rediriges vers une fraude à la carte de crédit? C'est grâce à quel élément? C'est grâce à l'index de référence AK-884, il y a écrit « L'EDESMA, 9 novembre 2035, type de crime, fraude à la carte de crédit. » Ouais, et moi, quand je te donne le BSF, t'arrives à me trouver le nom du gars. Donc vraiment, c'est à moi de débloquer, mais je comprends pas où il devrait y avoir le... Et donc là, quand tu me dis BSF, j'ai plusieurs noms. 1, 2, 3, 4, 5, 5 noms différents. J'ai Fabricio Toledo, Hernan Soto, Joaquín Miranda, Sergio Alonso... Et Thomas Morales. Et Thomas Morales, c'est celui qui a une arme de poing, un téléphone, fauteuil 3. Mais c'est je attends, à moins que ça soit dans un autre menu. C'est à toi de jouer, mec. Mais ouais, bon, ouais. Je vais continuer à spammer parce qu'il est bête. Attends. Et t'aurais besoin. Alors, David Rosales, tu m'as dit? Thomas Morales. Je comprends pas en fait à quoi. Est-ce que je peux faire avec les noms des mecs? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il te faudrait pour avancer là? Là, ce qu'il me faudrait, frérot, c'est peut-être un casier. Mais il n'y a pas le. Attends. 5763 le code, hein? Attends. Ouais, 5763. Attends, peut-être qu'en fait, c'est dans ça, peut-être que c'est des initiales? Non. Mais c'est forcément là, puisque je dois le rediriger vers un casier. Mais. Comment mec, je peux relier ça sur à un tous nom? Les smartphones. J'ai essayé sur tous les smartphones du jeu là. Là, je dois te donner le nom d'un casier, on est d'accord? Ouais. Ok. Je peux te donner tous les casiers dans lesquels il y a des téléphones. Non, mais tu crois que je les vois pas? Je les vois les casiers avec les téléphones. Je les spam. Mais il y tu en vois a beaucoup, quelque, hein. Chose, quelque chose d'autre? Bah non mec, je comprends pas. 5763 hein. 5763. Le code. C'est bon, allez hop. Comment je pouvais trouver le truc? C'était les gars le casier 53, frérot.
Mais comment je pouvais te donner ça? Je comprends pas. En étant moins bête. Non mais comment je, y a pas, toi tu me donnes des noms, moi dans ma liste y a pas de noms, comment je fais? C'est à log de jouer, tu as des codes à côté des casiers au bout des rangées. Non, c'est à lui de jouer. Tu m'avais donné le nom du téléphone? Oui, Fautel 3. Ok, bah c'était ça, c'est ma faute. C'est ma faute. Allez, dernière mission. Allez. Attends, je prends le hacker. Tu veux changer ou on s'en fout? Moi, je suis bien là. Allez. Ah putain, c'était le nom du téléphone. J'ai pas entendu quand tu m'as dit ça. Qu'est-ce que t'es bête. Ah ouais, my bad. J'ai pas entendu, je suis désolé. Il se cache actuellement à Singapour. Ah, moi, je pouvais pas te dire qu'il y avait des numéros de série ou le type de téléphone. Des millions de personnes seraient alors expulsées de leur propre vie. Je suis pas méchant, c'est mon pote. Je tape dessus si je veux. Ce soir, votre mission est cruciale. Empêcher la bombe d'exploser et arrêter Cypher. Empêcher la bombe d'exploser, frérot, t'entends? Allô? Ouais. Bienvenue à l'hôtel. Oh, fais pas le mec qui pleure encore. Trouvez les deux chambres dans lesquelles Cypher a séjourné et récupérez les coordonnées. Regarde son tel. Il y a des drones là, aide-moi. Attends. Coordonnées de la bombe, votre partenaire, drone de sécurité. Étage 57. Ok, étage 57, ok. Alors, étage 58. Ok, là t'es au 58, je te vois, il y a des bombes. Si tu vas... Ok, non, c'est bon, vas-y, monte. Remonte, continue de monter. Et attends. Une UM désactive tous les appareils électroniques. Transférez la charge UM, paramétrez la bonne fréquence à votre partenaire. Non mais c'est quand il y a des drones ça. Vas-y, UM, grenouille. Ok, c'est bon, laisse-moi le temps de découvrir s'il te plaît avant de t'aventurer, s'il te plaît. Tu es bête ou quoi? Idée des drones. Donne-moi l'ID du drone et si tu me donnes l'ID du drone, je peux le désactiver, ok? Mais t'es sérieux là ou pas? Ouais, si tu me donnes l'ID du drone, je peux le désactiver. Mais je peux pas. Là c'est le... Ah non, mais c'est bon, moi je le vois, ok. Ok, attends. Ok, vas-y, je vais le désactiver, vas-y. Non, tu peux aller à l'autre, ça mène nulle part ça, je crois, si? T'en sais rien. Attends, c'est moi qui dois trouver là où il y a les trucs. Attends, y'a un drone. Il m'a eu, mais pourquoi tu l'as pas tué? Laisse-moi te guider, putain de tes morts, s'il te plaît. Trouver les deux chambres dans lesquelles Cypher a séjourné et récupérer les coordonnées de la bombe sur le réseau. Attends. Nique le drone à l'extérieur, vite. Attends, je peux pas, je suis pas avec toi, re-rentre. Ok, je vais le niquer. Attends, y'a le 8 qui arrive, attends. Tu veux aller de quel côté quand tu sors, droite ou gauche? À gauche. Ok, si tu vas à gauche, c'est le drone 8, donc je dois changer le code. Vas-y, nique-le. Mais tu es bête. Tu veux pas attendre mes putains de signaux, je t'en supplie. Je t'en conjure, frérot. Franchement, tu veux pas être quelqu'un de plus efficace? Allez, le drone, il te voit, t'es mort. Tu vas à gauche ou à droite? Tu vas à gauche. Gauche. Vas-y, go. Go. Mais c'est à moi de lancer le MP, mec, t'es sérieux ou quoi? Je dois mettre un code qui correspond au drone que tu vas voir. Si tu vas voir le mauvais drone, je peux pas. Donc là, tu vas à gauche ou pas? Si tu vas à gauche, c'est le 120. Ok, j'ai mis le bon, là tu peux... Attention, il y a l'autre qui arrive, le 7, derrière toi, bouge pas. Attends. Vas-y, et IEM lui, c'est mort. Oh non, t'as raté l'IEM, oh non. Mets-le dans l'angle, il arrive. Attends, je suis mort dans l'IEM, frérot. Oh. Redonne. Là, tu peux niquer le 8. Fonce. Je suis mort de haut, attends. Redonne. Ouais, c'est fait. J'ai rien dans les mains. Mais what the fuck? Vas-y, c'est bon, je fais le pas là, c'est bon. Pardon. Redonne vite. Tu l'as. J'ai rien. Mais c'est craqué. Allez, c'est bon, je l'ai là. Je vais attendre. C'est pas par là que tu dois aller, je vois la pièce dans laquelle tu dois aller, Locke, tu fais fausse route. Non, c'est pas par là, s'il te plaît, écoute-moi. S'il te plaît. Et l'autre, il m'a cramé. Ok, écoute-moi, stop. Arrête d'en faire qu'à ta tête, stop.
Retourne là où t'étais, mais va pas dans le couloir qui mène au 8. Ok? Ok, vas-y, continue, voilà. Là, face à toi, il va y avoir un drone. Je t'ai transféré le code, mais il ne l'aime maintenant. Mec, ça doit se préparer, hein, parce que le truc, genre... Vas-y. Cache-toi. Vas-y, va la poser. Va la poser maintenant. Pose-la, ok, reviens. C'est nickel. Attends, pourquoi elle explose pas? Pourquoi elle explose pas? Elle meurt pas. GG, ah, bon. GG, ok, continue. Mec, on l'a buté. Viens, continue. On bute tous les drones. Continue. Oh, elle se répare. Va sur la gauche, re-rentre dans la piste à gauche. Là, il y a un premier truc. C'est quoi le code? C'est quoi le code? Mec, il y a un drone qui va m'enculer. Non, c'est quoi le code? Connecté. Allez, on va y arriver, Locke. Courage. Allez, grenouille. Oh non, pas ça. Oh. Wow. Vas-y, déplace ça ou je te bute. Vas-y. Oh. Va au bout le bleu là. Va au bout. Vas-y. C'était pas compliqué. Hein. Attends, pourquoi ça avait l'air si compliqué là? Pourquoi ils ont fait ça? Je sais pas. Ok, le code. Je pirate. 45, 13, 35, 36. Ok. 45, 13, 36. Ok. Alors, bouge pas. La deuxième bombe, elle est à deux étages en dessous de toi. Donc il faut que tu chopes les escaliers. Et pour ça, Locke, j'ai une mauvaise nouvelle. Tu vas devoir affronter la bombe numéro 8, la fameuse. Vas-y. Ok, va mettre l'UM et rentre dans la pièce qui est. Vas-y, fonce, go. Oh, rentre dans la pièce vite. Sur la gauche. Pas, il y a un code. Ah merde. Il se l'est pas prise. Ok. Drone neutralisé. Non, il s'est pas pris, c'est un bug. Attends. Je l'ai eu, je te dis. Oh, il est là. C'est un bug. Tu me l'as donné. Retourne. T'as une bombe ou pas là? Ouais. Mets-la là dans l'angle. Bien dans l'angle. Non, il l'a jeté dans le vide. Putain. Redonne. On est bien encore. Vas-y, retourne-y vite. C'est maintenant. Il arrive vers toi. Ok, reviens. Ok. Allô? Mais. Ça met qu'il est neutralisé, mais ça a pas marché. Redonne vite. Tu l'as. Mais c'est bugué de ouf, mec. C'est bugué. Vas-y, hein, reviens. Redonne. Ouais, t'inquiète. T'es sûr que c'est le bon code, frérot? Bah ouais, c'est 120 pour la bombe 8. C'est bugué de ouf. Je l'ai là, vas-y. Vas-y, donne. Ok. Oh, mais il y a l'autre coq qui me. Viens, on tue l'autre coq. Donne-moi l'autre. Vas-y. Ok, 340. Comment ça me saoule, hein, ce petit coup. Attends, il va tiquer. Grinder. Codal, oh. Vas-y, donne. Ok. Je sais pas si je l'aurai là. T'as eu très chaud. Redonne. Non mais arrête. Tu l'as mise trop tôt, du coup elle va disparaître avant qu'il arrive dedans. Non, je la tue. C'est moi qui clique. Vas-y. GG. Oh. Ok, prends les marches. Attends. Descends en dessous. Je vais prendre la porte là. Va prendre. Non, on s'en fout, ça sert à rien. Non, on s'en fout pas. Ça sert à rien, la bombe on est pas s'en dedans. Fout pas. Putain. Écoute. Tu niques pas le progrès. Ça va, c'était compliqué celui-là. Y'a rien, allez, descends les marches. Il va y avoir un code, frérot. Je vois les bombes, y'a rien. Allez, descends les marches. Y'a rien du tout, allez, descends les marches. Y'a rien. Descends les marches, et quand tu descends les marches, tu vas devoir aller aux autres escaliers qui se trouvent. Laisse-moi check. Bah, mec, t'y es. Y'a un drone devant moi. Ok, attends, reste caché. Étage 57, on est d'accord. Hein. Oui, reste caché. Ok. Lui, tu vas devoir le. Vas-y, c'est bon. IEM-le dans l'angle. Ok, il va revenir. Il revient. Il est dedans.
GG, ok, vas-y, ça c'est cette porte et il y a le truc dedans. Vas-y. T'es un boss, frérot. T'es un boss, Grenoble. T'es un boss, Big Noobs. Encore un truc giga compliqué. Comme d'hab, hein. Oula, attends. Oh, c'était compliqué, ça. Mais je comprends pas pourquoi ils ont mis tous les trucs... Je sais pas. Ils avaient la flemme de faire un truc compliqué. C'est... Ok, le code 490661. Merci, je t'aime. Bien joué. On a gagné ? Nous savons maintenant où la bombe a été placée. Allez. A accédé à la cyberbombe. Ok. Vision normale, appuyez sur barre d'espace. Vision réseau. Ça t'aide la vision réseau ? Je vois la bombe là. J'ai des drones en bas, mais. Mec. Entrée latérale sur le toit. Votre partenaire doit scanner ce nœud pour révéler sa fréquence. Ok, je l'ai. Un émetteur de la même fréquence doit être à proximité pour se connecter à ce nœud. Fréquence du réseau 745 GHz. Là, il y a un truc où elle a outé, vas-y. C'est quoi ça ? C'est mieux ? Espace de stockage, système de verrouillage de la porte, vous n'êtes pas connecté à ce nœud. Il faut un émetteur de la même fréquence à proximité. Là ? Ah, attends, c'est bon, attends, je vais trouver. C'est bon, il est là. Licencié pour subordination. Et alors ? Attends, je comprends pas en fait ce que je dois faire. Je comprends pas. Là. Attends, je comprends rien, attends. Là, c'est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Je scanne des éléments du réseau. Ah ok, c'est bon, j'ai compris, excuse-moi. Vas-y, active et en fait je dois te dire où... voilà, active le truc, ok. Va sur ta gauche, un peu sur ta gauche. Et avance. Voilà, vas-y. Là, stop. Demi-tour parfait, ok. Fais 3 mètres légèrement sur ta droite. Légèrement sur ta droite en avant. Là, stop. 45 degrés vers ta gauche. Là, normalement, t'es sur un truc bleu en fait. Je comprends pas. Il y a un émetteur qui est collé à toi. Non, de l'autre côté, fais 45 derrière toi. Voilà. Non, arrête de bouger, je t'en supplie. Arrête de bouger. Fais un demi-tour parfait, s'il te plaît. Envoie ton ombre. Ça fait rien. Légèrement sur ta... Oriente-toi, là t'es pile dessus mec. T'es pile dessus. Mais ça sert à quoi alors? Attends, je comprends pas. Mais... Je comprends pas. En fait, je t'explique. Faut que tu m'aides. Les relais que tu vois... Moi, il y a un trait qui apparaît et ça les relie à un truc pas loin, tu vois. Ah non, j'ai trouvé. Ok, c'est ça. Ok, c'est bon. Arrête de bouger. Ok, le relais devant toi, tu vois le dragon cracheur de feu là ? Non. Tu vois pas ? En fait, ce qu'il faudrait déjà, c'est que... Là, j'ai pris un truc, là, je suis sur un diamant là. Ça y est, je vois le dragon. En fait, arrête de bouger, s'il te plaît. Si tu bouges, en fait, je peux plus te guider. Même si tu t'orientes, arrête de t'orienter, en fait. Vas-y. Voilà. Ok, fais 6 pas sur ta gauche. Ok, parfait, stop. Fais 12 pas en avant. Ok, maintenant, je vais t'envoyer trouver le mec qui fait ça. Il est... Ok, retourne là où t'étais juste avant. Là où j'ai commencé à te guider. Ok, va sur ta 45 degrés sur ta gauche. Toujours tout droit. En fait, tu vas devoir scanner un mec. Vas-y, continue. Continue vers là où t'allais. Sur ta droite actuellement, du coup. Non, tu fais pas d'effort là. Non, là, tu fais pas d'effort. Voilà, là, tout droit. Vas-y. Ok, le mec est pile sur ta gauche, légèrement en face de toi. Tu le vois ou pas? Lui là, t'es dessus là. Il passe derrière toi là, à l'instant. Je le scanne. Scanne-moi ce bâtard. Tu l'as eu? Il est immobile ou il bouge? Il bouge, il s'est barré là. Il est entre l'endroit où t'étais au point de départ et l'endroit où je t'ai fait aller. C'est lui. Ok, je l'ai hack là. Vas-y. Enfin, t'as compris. Mais il se barre là, tu le suis plus, mec. Hein. Non, je suis en train de hacker, dis-moi. 3 chiffres corrects, 1 chiffre erroné.
Deux chiffres corrects, deux chiffres erronés. Deux corrects, deux mauvaises positions. Deux corrects, deux mauvaises positions. Non, j'ai gagné. Deux corrects, deux mauvaises positions. Comment c'est possible? Deux corrects, deux mauvaises positions. Quatre corrects, mauvaise position. C'est impossible là, je gagne là. Deux corrects, deux mauvaises positions. Mais j'ai fait toutes les combinaisons possibles. Deux corrects, deux mauvaises positions. Là, tu me dis incorrect de là. Deux corrects, deux mauvaises positions. Quatre corrects, mauvaises positions là. Ok. Et là? Trois corrects, un erroné. J'ai fait toutes les... Allez, un petit effort, Locke. Deux corrects, deux mauvaises positions. Comment c'est possible? Dis-moi là. Trois corrects, un erroné. Deux corrects, deux mauvaises positions. Trois corrects, un erroné. Trois corrects, un erroné? Ouais. Ça bug. Quatre corrects, mauvaise position. Quatre corrects, un mauvaise position? Non, quatre corrects, tous mauvaise position. Ah! Mais c'est... Deux corrects, deux dans la mauvaise position. Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible, putain. Trois corrects, un erroné. Deux corrects, deux erronés. Mais c'est pas possible, j'ai fait toutes les corrections. Yes. Ouais. Lena Bico, Lena Bico. Lena Bico. Ok, je t'ai déverrouillé une porte. Juste là sur ta gauche. Non, l'autre bâtiment. L'autre. Voilà celui-là. Sur ta droite. Voilà celui-là. Là, rentre. Voilà. Il y a un truc. Il y a quoi? Ouais, je dois le hacker. Attends. T'as hacké qui? Attends, mais je peux pas hacker. Faut localiser la cyberbombe. Il y a un truc pour hacker, mais je peux pas hacker. Non mec, c'est pas bon. Il faut que je pirate quelqu'un d'autre, t'as personne d'autre? Pour faire quoi? Y'a quoi dedans en fait? Tu me décris? Y'a rien frérot, y'a une porte, je peux pas la pirater frérot. Ok, je vais t'emmener dans un autre truc, attends. Ok, je t'ai déverrouillé la porte d'un bâtiment, quand tu sors tu vas à droite. Et c'est le bâtiment là que tu vois au bout. Voilà, rentre là-dedans, est-ce qu'il y a un truc? Ouais, je peux pas le pirater non plus. Pourquoi, ça te dit quoi? Rien, il y a une porte, c'est fermé. Déverrouille toutes les portes, touche le but. Là, c'est celle-là qu'il faut que tu me déverrouilles. Ok, attends, je cherche le relais qui la déverrouille. Ça sert à ce que je te scanne des systèmes noms, d'animation, je sais pas quoi, attends, système de verrouillage de porte. Attends, il y a un autre bâtiment que je vais t'ouvrir frérot, c'est le dernier, tu sais, l'autre là-haut, celui qui est là-haut. Voilà, tout droit, il est sur ta gauche, c'est celui-là, ok? Va au nœud qui est genre, là, arrête de bouger s'il te plaît, tant que je te donne des indications, je t'en supplie. Là, tout droit, ce nœud-là, ce truc-là, là. Je suis pas connecté à ce nœud, votre partenaire doit scanner le nœud, il est derrière toi. Oh non, juste sur ta droite, là, voilà celui-là, exactement. GG frérot, hop, let's go, je t'ai déverrouillé la porte, vas-y. Sur ta droite. Bonne porte ? Ouais, sur ta droite, non, le bâtiment c'est ta droite, celui-là, là, vas-y. Mais je t'ai dit, j'ai pas besoin de toutes ces portes de merde, ça sert à rien. Mais l'autre, je peux pas, y'a pas en fait. Là, il me faut cette porte-là, frérot. Laquelle ? Celle-là.
J'essaie de trouver, attends. En fait, j'ai accès à des... Parce que j'ai la bombe là, la bombe elle est là frérot, elle est dans ce bâtiment là. Mais en fait, va falloir qu'on hack un autre mec comme on a fait tout à l'heure. Ouais, vas-y. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, ok, j'ai trouvé une autre porte que je t'ai déverrouillée. Passe de l'autre côté, genre sur ta droite. Sur ta droite. Passe à là, voilà, tout droit. Là, tu es à droite maintenant. Voilà, et à droite là, j'étais ouvert des portes. Il y a peut-être un truc là-dedans, j'en sais rien. Il y a peut-être un nœud à trouver là-dedans, j'en sais rien. Non, y'a rien, c'est fermé. C'est de la merde, y'a rien. C'est fermé, y'a rien. Mais mec, je comprends pas. Faut que je hack un oops, non? Bah peut-être qu'il faut que j'active tous les nœuds. Ouais, il me reste un truc de nœud. Ok, alors attends, bouge pas. Stop, bouge pas. Reviens. Sur ta gauche maintenant. Tout droit. Là, tu scans. Non, c'est pas un mec là, c'est un relais wifi que je cherche. Sur ta gauche, tu scans et tu scans le truc, s'il te plaît. On va trouver le mec qui correspond. Derrière toi, s'il te plaît. Non, là où t'étais juste avant, là où je t'ai dit. Non, stop, arrête de bouger. Légèrement sur ta droite, tu fais 5 mètres. Voilà. T'es pile dessus, scan. Non, de l'autre côté, là où t'étais orienté. Je sais pas pourquoi, c'est pas un mec qu'on cherche. C'est pas un mec, c'est un relais wifi. J'ai stop. Rien Scan, ça là, scan ce truc là. Voilà, merci. Je scanne. Je sais pas, c'est des nœuds statiques. Ok, tu l'as eu. Ça sert peut-être à quelque chose, j'en sais rien. Là, il manque celui-là. Ah, je les ai tous ici. Ok. Faut peut-être tous les activer, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ils sont tous activés là, ici. Ok, t'as tout activé, on est bon, vas-y. Bouge. Attends, je vais là, activer là, tous là, les... Là, il y en a un, vas-y, active-les tous. Comme ça, je connecte tout, mec. Je connecte tout. Bah ouais, je comprends pas pourquoi on n'a pas fait ça avant. T'es ok, bête, ou quoi? tout droit, scan. Celui-là, là, vas-y. Ok, celui en dessous, vas-y. Ok, encore en bas, il y en a encore un en dessous. Ok, encore en bas. Celui-là, vas-y. Ok, légèrement sur ta gauche. Là, t'es passé sur un à l'instant. D'ailleurs, là, lui, là. Voilà, reviens là où t'étais, là, ouais, légèrement sur ta droite. Je les vois, t'inquiète, je les vois, okay. Mec. Ok, ah, ok. Putain, tu le dis que maintenant. Là, y'a tout, là. Y'a tout, frérot. C'est bon, j'ai trouvé la... Ah non, attends. C'est ouvert. T'as eu un truc? T'as eu ok, un truc. Je peux hacker la serrure, c'est bon. Enfin. Sacré noob celui-là. Qu'est-ce qu'on est nul, mec. Oh, qu'est-ce qu'on est nul, c'est effrayant, mec. Attends. Non, attends. Vas-y. Là. Non, là en bas. Ok. Vas-y, go. On est des pro gamers. on est des pro gamers, c'est fini. Et là, toi, t'es extrêmement fatigué. Attends, laisse-moi les décaler, s'il te plaît. S'il te plaît. Redescends, s'il te plaît, tout en bas, s'il te plaît. Je sais pas si c'est ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il faut faire. Ok, soulève-toi. Non, t'es allé soulève-toi. Trop loin. Soulève-toi. Il est bête, lui, ou quoi? Mais... Ça sert à rien. Va tout en haut avec ça, s'il te plaît. Va tout en haut avec ça. Ok, t'es prêt? T'es prêt à descendre? Non, attends. Laisse le 2. Ok, vas-y, go. Non. Putain, merde. si bête. Come on, putain. Headshot.
Qu'est-ce que t'es nul, c'est incroyable. Qu'est-ce que mec. T'es nul. C'est incroyable quand t'es nul. Allez là, fais le truc bleu là, vite. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais... pourquoi tu reviens en arrière? Frérot, amène juste le truc en haut. Ah ouais, ok. Attends. Vas-y. Voilà, et là gère le bas, gère le bas. Je peux pas, si je relâche t'es mort. Si, non, tu t'as un petit peu d'air. Tu vois? La macro gestion joueur de Starcraft. J'ai la bombe. Désamorce la bombe, Scoozy. Tu veux la pige comme état d'essence, désactiver sa protection. Ok, let's go, let's go, let's go. T'as l'air fatigué. Je suis fracassé, mec, j'ai mal au cou. T'as l'air fatigué là. Ah, je suis fracasse, putain. Qu'est-ce que je fais là? Ouverture dangereuse, ouvre. Tais-toi, tais-toi. Je peux pas ouvrir, frérot. Il faut que je t'amène voir l'interrupteur. Je sais où c'est, sors de là. Sors de là. Va sur l'autre aile, l'autre partie de la map, tu sais, l'autre. Voilà, vas-y, vas-y, on va me casser les couilles, là. T'as de la chance que je suis intellectuellement supérieur. Voilà, et ça, c'est le nœud qui est légèrement sur ta gauche maintenant. Celui-là, là. Non, t'es passé devant, derrière, juste derrière. Non, l'autre, encore l'autre. Mais trou du cul. Là? Oui. Et alors, je fais quoi maintenant? Voilà. Ok, attends, je dois t'amener un autre nœud. Repasse de l'autre côté. Quand tu descends des marches, tu prends à droite directement. Hein, 45 degrés à droite, tu vas tout droit, tu vas tomber dessus. Voilà, c'est le prochain que tu vois. Let's go, tu le scannes. Ok, maintenant, attends. Ça a fait envoyer une équipe. Ok, mec, il y a une équipe si je t'indique mal. Retourne sur l'autre côté, de l'autre côté de la map. Attends, fais gaffe, il y a un drone dans ce coin. Non, c'est bon. Ouah, mec, il y a des ennemis partout, t'es dans une merde. Il va falloir que tu radotes. Ok, il va falloir que tu m'écoutes, tu bouges pas tant que je t'ai pas dit de bouger, ou t'es mort. Casse-toi de là, par l'autre zone, voilà, prends l'autre escalier. Tout droit, prends le drone derrière toi, il est méchant. Ok, prends l'autre escalier, ok. Là, prends sur ta droite, non, sur ta gauche, ok. Ensuite, prochaine à droite, après le bâtiment, prochaine à droite, ok. Re à droite, tu scannes le truc maintenant, scanne-le. Ok, GG. Ok, maintenant il faut que t'ailles. Vas-y, remonte. Voilà, tout droit. T'es mort. Mais pourquoi t'es bête, frérot, genre? Parce que je connais pas la trajectoire du gros cercle. C'est pas grave, on y retourne, c'est pas grave. Ok, donc vas-y, doucement. Avance doucement en remontant et tu vas prendre la prochaine à gauche. Vas-y, avance. Prochaine à gauche maintenant. Voilà, coupe par là. Prochaine à droite. Ok, vas-y continue, prochaine à droite et le relais sur ta gauche maintenant. Tu le vois, le dragon là, vas-y go. Ok, il faut que tu retournes dans la salle où il y a la bombe, demi-tour. Ah, t'as pas fait demi-tour, t'es allé tout droit. Bah non, je suis bête. Vous avez trouvé. C'est pas grave mon frère. Bah t'y es, voilà, MDR. J'ai reset, je suis un speedrunner. Ça y est, c'est le moment de sauver le monde, oh, Grenoble. Oh putain de merde. C'est toi qui a... Je suis tellement content de pas voir ça. Bouton d'allumage, nombre de lettres dans le numéro de série. 2, 3, 4 ou 5. 2, 3, 4 ou 5. J'ai un connecteur, une batterie, numéro de série 6, 3, 7, 2. De ta batterie? Numéro de série WQDUM 6, 3, 7, 2. T'as entendu? Attends. Numéro de série quoi? Pré-réglage des paramètres, t'as un logo quelque part, tu peux me le donner s'il te plaît? Ce module nécessite un code d'accès. Il me faut un code d'accès. Pour les pré-réglages des paramètres. C'est 6800. Comment tu sais? Je l'ai. 6800. Et il manque un chiffre. Non, c'est 6800, il manque pas de chiffre. 6800. 1, 2, 3, 4, 5. 6800, ça marche pas. Bah c'est ça le code d'accès en fait. WQDUM 6372. Ça m'aide pas. Il y a combien? Ah si, redis. WQDUM 6372. Appuyez sur le bouton lorsque le dernier chiffre de la minuterie est 1 ou 6. Il est où le chiffre de la minuterie? Je sais pas.
Alors ? Ça, aide-moi ? Bah, trouve appuyer sur le bouton lorsque le dernier chiffre de la minuterie est 1 ou 6. Ah, mais c'est quand la bombe elle se lance, c'est ça ? Mais oui, non, mais laisse tomber, on est pas encore au bouton. Préréglage des paramètres, quel logo s'il te plaît ? Ou alors charge électrique, le nombre de broches dans le connecteur. Il y a des pictos, tu sais, sur fond jaune en forme de triangle. J'ai un connecteur. Nombre de broches ? 4. Pour quelle icône ? Il y a 3 icônes possibles : un triangle jaune avec une flamme dedans, un triangle jaune avec un espèce d'atome et un triangle jaune avec une mine. Dans le connecteur ? Ouais, nombre de broches dans le connecteur. Et moi ensuite, j'ai pour chaque panneau, il y a une flèche j'ai et je dois... J'ai 4 connecteurs ronds, mec. Vert. Ok, donc du coup, ça m'a donné quoi de données. Est-ce que tu as des panneaux jaunes là où tu es ou là ? Est-ce que tu vois des panneaux jaunes en forme de triangle ? Non. Tu vois pas de panneaux jaunes avec des logos dessus ? Non. Ok. Avec des logos de flammes là, de feu. C'est un triangle jaune, ok, et dedans il y a un logo de feu, t'en as un ou pas ? Ouais, j'en ai un. Le chiffre 7. C'est quoi le chiffre 7 ? Je sais pas, il y a ça, il y a une flèche et il y a 7. Donc je te dis que ce truc là c'est le chiffre 7. 7, il y a peut-être un numéro à mettre, un truc, non ? 7. Allez, je retire la batterie, on va tout péter. Non, arrête, non, s'il te plaît. Attends, j'ai cliqué sur la batterie ! Si le port 1 de la valeur plus basse saisissait rouge. Si le port 2 a la valeur la plus élevée, si c'est bleu. Si le port 3 est seul nombre impair, si c'est vert. Alors. Port réseau. Bouton d'allumage. Lui, il monte 8. À 983, donc. Attends, le port. Attends, peut-être que j'allume la bombe, t'as raison. Attends, le port le plus haut, c'est le port 4, 969. Le port 4 ? Ouais, c'est le port le plus haut. Vas-y. Ok. Bien, on fait autre chose. J'ai les câbles. Coupez le fil lorsque le point clignote sur le circuit correspondant. Les câbles, c'est la dernière étape. Là, ce qui nous reste, je t'explique. Il nous reste pré-réglage des paramètres. J'ai 3 logos et je dois choisir. Et ensuite, il nous reste charge électrique. Et donc, j'ai des modules de la bombe sécurisée. Ok. Ouais, tu m'as dit d'appuyer sur le bouton d'allumage quand il y avait écrit. Ouais. La charge électrique, on l'a pas fait, frérot. Et le décrypteur code d'accès, t'as fait quoi avec le 6800 ? Ça t'a servi ? Non. T'es sûr ? J'ai pas accès au paramétrage de réglage. Ok. La charge électrique, nombre de broches dans le connecteur. Donne-moi le lingot, enfin le logo, et je te donne le nombre de. J'ai un chiffre à te donner. Dans le connecteur, j'ai. En gros. Ouais, vas-y. 4 petits pentagones, j'en sais rien. C'est fait, ça, j'ai vert. Cliqué. En fait, je t'explique. J'ai 3 logos sur des fonds jaunes. Il y en a un, c'est une flamme, un, c'est un atome, un, c'est une espèce de mine. Quand j'ai cliqué sur 4. Laser ? Ouais, laser, voilà. Je l'ai, le laser. Il y a une flèche. Et laser et flamme. Ok, flamme, il y a une flèche et ça donne 7. Et laser, il y a une flèche et ça donne 0. Et l'atome, je l'ai aussi. Et l'atome, ça donne 5. Ok, attends. L'atome, c'est bleu. Bleu est égal à 5. La flamme, c'est orange, ça est égal à 7. Et le vert, c'est le laser, c'est quoi ? Le vert, c'est quoi, tu m'as dit ? 0. Ok, donc ça fait... On est mort. Non, tu vas y arriver, vas-y. Attends. Et là, j'ai le port réseau. Donc, si le port a la valeur la plus basse. Attends, mais là, c'est le laser. Tu me dis que c'est 7 ? Atome, là, mon port... atome, c'est 5. Feu, c'est 7. Laser, c'est 0. Il a la valeur la plus élevée, donc c'est bleu. Let's go ! Boom ! Ça y est, le moment fatidique. Désamorcer cette bombe et sauver le monde. On l'aura, t'inquiète pas. Combien de lettres dans les héros de série ? WQDUM 6372. C'est la même chose, quoi. Appuie sur le bouton lorsque le dernier chiffre de la minuterie est 1 ou 6. Ok, port réseau. Trouvez le numéro non cyclique de chaque port. Ça t'aide, ça, ou pas ? Port réseau. Si le port de 1 a la valeur la plus basse, c'est rouge. Si le port 2 a la valeur la plus basse, si c'est bleu. Genre, je comprends rien. Le port 1 a la valeur la plus basse actuellement. Comment tu sais ?
Je le sais. Tu les as devant toi ? J'ai 4 colonnes, ouais. Et c'est la valeur la plus basse. Bah, arrête d'être bête et commence à ouvrir les yeux. Si le port 2 a la valeur la plus élevée, c'est bleu. Le port 1, la valeur la plus basse, c'est tout. Si le port 3 est, la seule, est le seul nombre impair, c'est vert. Le port 1, la valeur la plus basse, c'est bon, on a trouvé. Si le port 4... Putain. Voilà. Donc en fait, bon. Espèce de port con, réseau, va. C'est bon. Donc en fait, tout à l'heure, tu t'es trompé, moi, espèce d'énorme con, va. Je c'est toi qui as pris les portes devant les yeux. Toi, depuis... petit con, je vais me péter la bombe. Je vais me péter la bombe. Non, ok, ok, excuse-moi. J'ai eu un passcode, 685-09. 685-09, c'est débloqué. J'ai 1, 2, 3 et je peux faire monter les valeurs. J'ai l'impression que j'ai 3 ports, quoi. Est-ce que t'as des logos ? Non. Attends, je regarde. Ouais, j'ai des logos dedans, ouais. J'ai des logos dedans. Ok, pré-réglage des paramètres. Le 1, pour moi, c'est un trait en diagonale. Le 2, c'est un T qui est posé sur un U. Et le 3, c'est une éolienne et il y a 3 petits carrés autour de l'éolienne. C'est réglé. Okay. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Tu vois, quand tu veux, mec, décrypte. Tu vois, quand tu. Non, comment ça, comment je veux? Moi, j'exécute. Décrypteur, moi, décrypteur de code d'accès, ça fait 28,81. Je sais pas si ça peut être utile maintenant. Combien? 28,81. T'as pu dire 2881. J'ai un autre code. J'ai un autre code, frérot. Trois chiffres. Ça va pas m'être utile pour le moment. J'ai. Moi, il me reste juste. Ok, c'est charge électrique. Charge électrique. Charge électrique. Il y a combien de broches dans le connecteur? 3. Premier orange, deuxième bleu, troisième vert. Ok, atome égale 7. Feu égale 6. Laser égale 8. Atome égale 7. Feu égale 6. Laser égale 8. Oh, bête. T'es bête. Ah non. Si, t'es bête. Ah non. Attends, atome c'est vert. Il s'est trompé. T'es bête, putain. C'est ma faute. Est-ce que tu peux arrêter d'être con, s'il te plaît, frérot? Genre, écoute-moi, s'il te plaît. Bien, petit rat. Combien de broches 6, 3, dans 7, le 2. Charge électrique? Combien de broches dans la charge électrique? Si le port valeur 1, c'est un rouge au hasard. Quoi? Oh la chute. Aïe aïe aïe, t'imagines, on nous avance vraiment une bombe. Allez hop, ça c'est random. Charge électrique alors. Non, le non, là tu pourras pas. Là, c'est t'as vraiment une chance sur la charge électrique. En fait, frérot, tu confonds le laser et l'atome, on me dit dans le chat. Oui, non. En fait, non, je t'explique. Parce non, je t'explique. Que t'es bête, les couleurs changent. Non, parce que les couleurs changent entre les resets. Ok. Alors, charge électrique, la charge combien électrique, de broches code. Combien de broches 28, 82. Non, c'est l'autre code avant, s'il te plaît. 832, 37. 832, 37. Non, c'est le mauvais code. On est mort. 832, 37. Ah non, ouais, c'est le code à 5 chiffres ou à 4? Voilà, c'est quoi les symboles? Combien de broches dans le connecteur? C'est les mêmes symboles que d'habitude. Combien de broches dans le connecteur, s'il te plaît? Mais tu es bête ou quoi? On n'en est pas là encore. Combien de... On en est au pré-réglage des paramètres et il me faut les symboles, Coclord. Ok, le premier... Alors, le numéro... T'as pété? Non, j'ai bougé ma chaise, comme Le numéro 3, c'est deux petites montagnes côte à côte. Deux petites montagnes côte à côte. Le numéro pourquoi 2... Tu commences par le 3? Parce que c'est plus simple. Le numéro 2, c'est un carré et au-dessus, il y a quatre petits traits en diagonale. Ok. Allez, roule, la plus vite. Et le numéro 1, c'est comme un carrefour, genre... Il y a une ligne droite et tu peux tourner à droite et on voit un bout du début du chemin où il y a une ligne qui mène à gauche. Alors là, c'est si bête. C'est bon. Le code 83237. Non. L'autre. L'autre code, 4 chiffres. 5928. Ok, charge électrique. Combien alors, de broches? 3 broches, orange, bleu et vert. Ok, l'atome c'est le numéro 5, le laser c'est 3, le feu c'est 8. L'atome c'est le numéro 5, le laser c'est 3, le feu c'est 8. Atome 5, laser 3, feu 8. Atome 5, laser 3, feu 8.
Atome 5, laser 3, feu 8. Atome, c'est combien? Atome 5, laser 3, feu 8. Atome 5, laser 3, fenouille. Feu, c'est combien? 8. Atome 5, laser 3. C'est gagné. Quoi? Tu t'es trompé. Atome 3, atome 5, laser 3, feu 8. Attends, quoi? Quoi? Atome 5, laser 3, feu 8. Atome 5, laser 3, feu 8. Prends ça dans la gueule! Non mais c'est pas possible, frérot! Il y avait combien de broches? Il y avait 4 broches, les gens me disent. Il y a 3 broches, frérot. Il y en avait 4 d'après les gens. S'il te plaît, ça fait 3 fois. Je perds patience. Donc maintenant, tu connectes tes deux putains de neurones et tu fais ces épreuves de niveau CE1. Je t'en conjure! En fait, je peux pas, mec, quand t'es en train de répéter les mêmes conneries. Quel chata à chaque fois avec ça, c'est incroyable. Et c'est pas le port, tu vas rater. Ré, c'est pas le port, tu vas rater. C'est quoi le port? Je sais pas, attends. Je dois cliquer avant, attends. C'était jaune, un gros nul. Le code. Alors... le premier truc, c'est un carré avec les 4 barres en diagonale. Le deuxième. Ta gueule! Ta gueule! 1339. Non. 13 661. Quand même. Alors, le premier. Allô? C'est un carré avec 4 petits traits en diagonale. Le deuxième, c'est... Il y a 8 carrés qui forment un rond tous ensemble. 7 carrés qui forment un rond tous ensemble. Il y en a un au centre, puis il y a une rangée de 3 au-dessus, une rangée de 3 en dessous. Et, okay, et le troisième, c'est un carré et au-dessus, il y a 3 grands traits en diagonale qui sont plus à la verticale. Genre, si le trait du milieu, il est complètement à la verticale. Tu vas tous nous buter. Non, il y a un petit carré et au-dessus du carré, il y a... Ok. Alors, le code acatif. 1339. Ok, alors, les câbles électriques. Combien de broches? J'ai 4 broches, frérot. 4 broches, donc le laser c'est 4, l'atome c'est 7, le feu c'est 3. Juste, on est d'accord que ce que t'appelles l'atome. C'est bon, c'est gagné. Ensuite, bleu c'est quoi? Attends, le feu c'est quoi? Le feu c'est 3. Et bleu c'est quoi? C'est quoi l'autre? Laser c'est 4, atome c'est 7, feu c'est 3. Laser c'est 4, atome c'est 7. C'est gagné! 59 secondes, gros noobs! Ok, si le fil vert est adjacent à un fil jaune, coupez le fil bleu supérieur lorsque le circuit 4 clignote. Si les deux fils rouges sont adjacents, coupez le fil vert lorsque le circuit. Non, un fil bleu est adjacent à un fil vert, c'est le cas? Oui. Coupe le fil jaune quand le circuit 2 clignote. Répète. Si un fil bleu est adjacent à un fil vert, coupe le fil jaune lorsque le circuit 2 clignote. Cac! C'est gagné, gros noob! Tu vois quand tu t'y mets? Je vais le tuer. C'est dit qu'il y avait 4 connecteurs depuis le début, gros nul. Je vais le tuer. C'est comme si j'avais appris à mon enfant à parler en une soirée. Vous voyez l'effort? Frérot, dis le mec giga fatigué pendant tu que l'autre es il pile de force. Mais qu'est-ce que t'es bête? Il y en a plus de puissance que toi, frérot. J'ai plus de puissance que toi. Tu es bête, t'as fait que te tromper. T'es si giga bête, regarde, moi j'ai une médaille. Oh. Allez, moi oh, je suis à la plage. Oh, le vieux sénile, moi je suis à la plage. Et respecte ton daron un peu, frérot. Bonjour, vieux bonjour. Sénile. Et respecte ton père. Tu veux que j'appelle Franck? Tu es bête ou quoi? Ah, GG. Opération souffrance, ouais, putain. It takes two to save the world. T'as vu, ils ont mis un tacle à It takes two. Ouais. Tacle glissé même. Oh, mec, quel jeu incroyable. Quel teammate à chier, putain, j'ai kiffé. Je me casse d'ici, j'ai pas envie de jouer avec ce daron là. Mec, il est 1h du mat, frérot. Il est 2h19, frérot. Moi, je me casse, je vais dormir. Il m'a fatigué. À 2h, le mec, il tombe dans les pommes, frérot. Putain, c'est comme si j'avais fait ses devoirs à mon enfant, là. Putain, je suis fatigué, quoi. Fais pas le mec, t'es toujours fatigué. Frérot, je te remercie d'avoir joué avec moi ce soir. J'ai passé un très bon moment. Également. C'était vraiment cool. Merci pour le tribunal, hein. Ouais. De nous faire passer encore pour des connards. Non, on a été bons. Je trouve. C'est ça.
Ah, c'est ça. Bon, je trouve. En tout cas, je t'embrasse et je te souhaite. Merci frérot. Et repose-toi bien. Oh, merci frérot. Vas-y, bisous frérot. Bisous frérot, gros bisous à tous. Ciao, ciao. Bon chat. Je suis mort. Je suis explosé. C'était fatigant le jeu là. En plus, Locke il veut tout le temps aller vite, speedrun. Du coup, t'es là, genre, attends, derrière toi, à gauche, attends. Et moi aussi, je suis pareil, on est terrible. Ce combo, excusez-moi, très fatigué, Locke qui veut full speedrun, un plaisir. Ah mec, c'était compliqué, mais c'était très bien. Le jeu est vraiment bien, je vous conseille vraiment de le faire avec des potes, c'est extrêmement cool.